thank you Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, bah, comme promis sur Facebook, hein, je, vais, je vais vous proposer un petit peu une lecture de euh, ce qui peut nous attendre au cours de 2021. Faire un peu une lecture euh, horoscopique, on va dire, de cette nouvelle année. Hein, après 2020, hein, on a un peu pris plein la poire, donc euh, si 2021 pouvait être un peu plus clémente, ça serait chouette. Malheureusement, euh, ça commence très très... <laughs> Je suis vraiment porteur de mauvaises augures, mais les, les, les choses qui s'annoncent ne sont pas forcément des plus glorieuses. Euh, voilà, donc on va, on va faire un petit peu le point. Alors évidemment, l'astrologie uranienne euh, peut être utilisée sous plein de formes pour regarder la nouvelle année. Là, j'ai décidé d'utiliser la révolution solaire, le système de révolution solaire, qui n'est pas forcément quelque chose de typiquement uranien, hein, pas du tout. C'est une pratique, euh, pour ceux qui connaissent pas forcément bien l'astrologie, qui est une pratique qu'on utilise énormément en astrologie, même traditionnelle, que ce soit tropicale ou sidérale. Euh, voilà, le, le, la révolution solaire, c'est en réalité le retour du soleil sur un certain point, et à partir de là, on considère qu'on part sur, euh, sur une, euh, un nouveau cycle, et donc là en l'occurrence voilà je regarde la révolution solaire pour euh, 2020. Euh, en fait, elle, elle, elle se produit en 2020 et donc elle va nous parler de 2021. En réalité, elle commence euh, au mois de décembre, euh, au mois de, de, de mois de décembre 2020, et donc elle englobe évidemment 2021 jusqu'au jusqu mois de décembre. Euh, et c'est... Euh, donc alors là, je vais partir en fait sur deux analyses. Je vais regarder d'un premier plan euh, ce qui est d'ordre... Euh, euh, mondial. en réalité quand je, quand je dis mondial, il faut mettre un petit peu euh, une précision, c'est pas uniquement mondial ou en réalité c'est pas précisément mondial c'est en fait tout l'hémisphère nord <laughs> puisque si nous avons nous euh, notre euh, révolution solaire dans l'hémisphère nord qui se fait euh, courant euh, de, ah, pas, bon, à partir du mois de décembre euh, pour euh, l'hémisphère sud cela se fait à l'opposé, c'est à dire sur le mois de juillet, voilà, sur la fin juillet donc euh, là on va regarder particulièrement ce qui va toucher Hémisphère nord, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas impacter l'hémisphère sud, puisque là en l'occurrence on fait une révolution solaire euh, qui a lieu une fois normalement dans l'année, mais en astrologie uranienne cette révolution solaire a, a lieu quatre fois. Donc c'est à dire qu'on pourrait regarder euh, chaque trimestre, on pourrait le faire chaque trimestre. Là je vais vous proposer simplement une lecture de 2020-2021 en fait dans son ensemble, donc c'est à dire je prends la révolution de 2020, de décembre 2020, et puis on va regarder à peu près ce qui va se produire particulièrement sur notre hémisphère, ça peut arriver sur l'hémisphère sud également, mais particulièrement sur l'hémisphère nord, donc ça c'est pour la première partie, et puis sur la seconde partie, je vais vous proposer une lecture un petit peu plus précise, puisque j'ai regardé également ce qui se passait. Ben, au niveau de la capitale française hein, donc au niveau de Paris quand on prend une capitale ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe euh, pour euh, pour le pays dans sa globalité puisque évidemment c'est à cet endroit-là que les choses vont se décider d'un point de vue économique d'un point de vue politique euh, c'est là que on se trouve un peu l'épicentre énergétique de notre pays hein. c'est c'est pas pour rien que qu'une capitale naît quelque part c'est comme énergétiquement c'est comme si on avait un chakra à cet endroit là voilà donc une espèce de, de centre de convergence énergétique et à cet endroit-là du coup une capitale va naître alors ce qui fera beaucoup rire certains pays qui qui ont un peu divisé <laughs> leur capitale avec parfois une capitale politique, une capitale économique, une capitale diplomatique. Euh, voilà un petit peu à droite à gauche, Et puis des capitales évidemment qui peuvent être également d'ordre. Euh, de convergence d'individus, simplement il y a plus de monde à cet endroit-là, ça n'a pas forcément d'impact d'un point de vue euh, politique ou économique, mais euh, voilà, d'un point de vue démographique, et ça, ça a beaucoup plus d'ampleur. Donc voilà, certains pays fonctionnent comme ça, nous c'est pas le cas, donc du coup je me, je me concentre principalement sur Paris et donc évidemment ça prendra, euh, ça, ça englobera le reste du pays, mais encore une fois, c'est très important aussi de le mentionner. Deux choses. La première, quand on fait de l'astrologie euh, globale comme ça, ce qu'on appelle de l'astrologie mondaine, ça donne une teinte générale mais cette teinte générale ne va pas, euh, ne va pas donner le détail pour chacun d'entre nous bien entendu hein. c'est à dire que c'est pas cette astrologie là qui va dire que ah oh, bah tiens j'ai eu un accident ou j'ai eu euh, voilà soudainement euh, un dégât des eaux voilà ça c'est vraiment quelque chose qui est individuel et qui nécessite de passer par une analyse avec un astrologue ou un praticien de quelques autres arts, quelques autres arts que ce soit et donc là, on part sur une analyse d'un thème précis. Là, on va partir sur quelque chose qui est plus de l'ordre, un peu de la météo de notre pays. Donc, euh, pour, euh, pour plus d'informations, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur votre propre thème, euh, bah, n'hésitez pas à venir me, me consulter hein, sur, euh, sur le site euh, astrologieuranienne.com. Je me ferai un plaisir. Alors, il y, a, il y a déjà pas mal de demandes, donc je suis désolé, il va falloir juste être un tout petit peu patient. Mais j'aurai beaucoup de, de plaisir, évidemment, à, à vous présenter tout ça. Donc, partons tout de suite sur l'analyse de notre thème de 2020 21 euh, alors on va attaquer euh, je, je vais vous montrer en même temps en direct hein, sur l'écran un petit peu tout un tas de choses alors ce qu'on va voir c'est que premièrement au cours de cette année il y a plusieurs planètes qui vont être des planètes entre guillemets signature, c'est-à-dire ce sont des planètes euh, avec lesquelles on démarre euh, l'année de manière la plus, euh, la plus forte, ou en tout cas qui vont nous suivre euh, qui vont nous suivre de manière euh, le, le, la plus symbolique possible. Et c'est quelque chose qui peut être redondant au cours de l'année, parce qu'à un moment donné, il peut se produire un événement qui va être majeur, et on sait que cet événement majeur sera justement sous la coupe de. Euh, de, de ces planètes-là. Alors là, en l'occurrence, cette année, on a comme planète euh, euh, voilà symbolique, on a à la fois Mercure, Vénus, Mars, Zeus et Poséidon. On en a cinq. L'année dernière, on avait, euh, on avait Poséidon, déjà, et qui était là et qui, euh, et, qui, et qui est une planète, en fait, qui est très lente et qui, du coup, continue de d'agir sur nous, puisque c'est la plus lente, euh, en tout cas, Parmi celles que nous avons pu découvrir jusqu'à présent, puisqu'elle met plus de 700 ans à faire le tour. Donc elle reste très présente depuis déjà quelques temps et elle va rester encore un petit peu dans le coin. Et euh, Poséidon, c'est euh, donc exactement comme cette année que nous avons passée et même un peu l'année d'avant. C'est une planète qui remet beaucoup en question euh, le, le paradigme de notre société. L'année dernière, elle était d'ailleurs en relation à la fois, donc c'était Poséidon et Pluton et Cupidon. Et en fait, euh, Cupidon, c'est la société. Poséidon, c'est la manière de penser la société, la, la signature spirituelle ou idéologique ou politique de la société. Et Pluton, c'était la transformation et la métamorphose. Donc, on était sur quelque chose qui allait transformer en profondeur notre société. Effectivement, je pense que ça a été le cas et euh, ça n'aura échappé à personne. Là, cette année, Pluton n'est plus en tant que signature, mais on trouve toujours euh, Poséidon, on n'a plus euh, Cupidon, Cupidon est un petit peu plus, un peu plus éloigné, mais on a toujours Poséidon. Et donc, on est toujours sur une signature, euh, sur une question d'interrogation par rapport au paradigme, par rapport au, au modèle, au choix de notre société ou de nos sociétés, parce que là, en l'occurrence, on, on est euh, ciblé sur quelque chose de mondial, évidemment. Donc, on a vraiment cette interrogation de savoir... Quel est le mode de pensée sur lequel on a envie de fonctionner On voit par exemple que se passe beaucoup de questions sur, euh, sur les fake news, sur euh, les tromperies ou les mensonges, sur les, par exemple les votes. Où on voit par exemple, on sait que le camp Biden et le camp Trump ont tous les deux un peu magouillé, bidouillé leurs élections. Euh, là, on a un, document, un documentaire qui est sorti, Hold Up, qui entremêle très habilement le faux dans le vrai. Euh, voilà, donc on est vraiment sur, sur une interrogation sur quel est le paradigme sur lequel j'ai envie de fonctionner quel est le mode de pensée sur lequel j'ai envie de, de réfléchir et du coup je vous renvoie à la vidéo que j'avais postée qui était un cieloscope sur les malversations de l'esprit Facebook. Donc vous trouverez ça dans, dans ma liste de vidéos sur l'astrologie uranienne. Et donc là, on a donc cinq planètes cette fois-ci qui, qui fonctionnent ensemble. Mercure, Mercure qui est la pensée générale, euh, qui est la, la question de, de débattre, de discuter, d'échanger, de communiquer, euh, et qui s'entend assez bien en réalité avec Poséidon. Les deux sont un, un petit peu des opposés, puisque. Mercure, c'est euh, la communication et la pensée très, euh, j'allais dire, bas de gamme, mais en fait, oui, un peu quotidienne, un peu euh, un peu ici, là, maintenant, tout de suite, dans, dans l'aspect du, du présent. Euh, voilà, lorsque vous faites vos calculs, lorsque vous faites une, euh, une multiplication, lorsque vous vous demandez ce que vous allez manger, lorsque vous dites bonjour à votre chérie, on est dans, dans du Mercure. Et Poséidon, c'est vraiment l'opposé euh, de, de Mercure. Poséidon, on est vraiment dans une interrogation à très grande échelle. On est vraiment sur une question de culture, de religion, de foi, de spiritualité, euh, d'idéologie, de, de politique, euh, de, de quoi ai-je envie que ma vie soit faite. Euh, on se pose vraiment des questions élevées, d'ordre plus. Bon, on, est, on est plus proche de la sagesse que de la réflexion en réalité. Et là, les deux vont fonctionner ensemble. Donc, c'est assez rigolo de voir justement à quel point euh, nos, on va dire, nos idéaux euh, vont se pencher euh, très fermement sur notre vie quotidienne et inversement comment notre vie quotidienne va être calquée sur nos idéaux et en fait là c'est très très important de comprendre qu'on est vraiment à un point de jonction extrêmement important alors je sais que je suis en train de sortir quelque chose qui est très galvaudé et que les voyants ont tendance à dire tous les ans en disant oui c'est une année de transformation oui mais <laughs> c'est pas qu'une année de transformation en réalité ça va vraiment être une année en mode euh, en mode, on, 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 se met, euh, on se met, à l'intérieur une espèce de carrière euh, alimenté à la javel et au desktop, et en fait, ça va en vraiment envoyer du lourd cette année, mais pas dans les faits. Et c'est là où c'est assez, où c'est assez fort, c'est que ça va pas du tout être dans les faits. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, moi, je me suis demandé, bon, allez, euh, là, ça commence vraiment à se barrer de tous les côtés cette société. Est-ce qu'on va vraiment avoir une révolution cette année Eh bien, non. <laughs> Malheureusement, on a toujours rien, ça bouge pas, c'est toujours bloqué, c'est complètement, complètement sclérosé, c'est absolument catastrophique. Parce ce qu'on pourra attendre à que d'un coup il se produise quelque chose mais non en réalité, même toute tentative de putsch, quel qu'il soit, semble vouée un peu à l'échec ou sera de toute façon récupérée par des partis qui ne seront pas les bons. Hein, ce qu'on avait déjà vu de toute façon à l'époque de la Révolution française où ceux qui ont repris les rênes étaient ceux qui avaient justement manigancé tout ça. Donc, euh, petit bisou à mes, armies, mes amis orléanistes au passant. Euh, et du coup, ce qu'on voit, c'est que là, on a vraiment quelque chose qui est dans, une, dans un, un, un mode de transformation mais qui est complètement intérieur. C'est-à-dire, quelle est la vie que j'ai aujourd'hui, quelle est la vie que j'avais hier et quelle est celle que j'ai envie d'avoir demain et en réalité, j'en reparlerai, on est vraiment à l'aube de... Euh, les changements de carrière vont avoir lieu, les changements d'orientation, de, de vie. Euh, vraiment, est-ce que j'ai vraiment encore envie de vivre ici Non. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de gens qui vont quitter leur pays. Et je ne parle pas uniquement, euh, je parle pas uniquement de, de migrer pour des raisons euh, de guerre ou, euh, ou autre là on est vraiment sur un point de vue c'est pas de l'économie c'est pas de la on, on, oui on est plus proche en réalité de la politique et puis de vraiment de se dire est-ce que c'est en accord avec ce que je veux ou pas et ça ce mercure lui il va venir il va vraiment venir se gratter la tête en s'interrogeant par rapport justement à ce Poséidon est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre et on a Vénus qui est là. Vénus, c'est rigolo qu'elle qu apparaisse parce qu'on en a un petit peu besoin <laughs> en ce moment. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une planète où littéralement à peu près tout le monde se tape sur la gueule. <laughs> ça, c'est clair. C'est-à-dire que j'en avais déjà parlé hein, euh, les hommes tapent sur les femmes, les, les femmes tapent sur les hommes, les blancs tapent sur les noirs, les noirs tapent sur les, sur les blancs. Euh, les riches vont taper sur les pauvres et inversement. Euh, voilà, les occidentaux vont taper sur les orientaux et, on se, et ils nous le rendent bien également. Et donc, en fait, on a cette espèce de truc où ça. ça en en fait, ça n'est plus une planète, <laughs> stop, ça n'est plus, plus une sphère terrestre, c'est un énorme ring de boxe à l'échelle planétaire. Donc, en fait, là, le fait d'avoir Vénus, ben, ça va faire un peu de bien quand même, de, de pouvoir se, se, soudainement être porté par la planète qui est quand même la planète de l'amour, euh, de la paix, de la recherche de, de la délicatesse, euh, de l'envie de se sentir en fait simplement tranquille. Et c'est aussi une planète, et c'est là où ça peut être un peu tendancieux, c'est une planète également de passion. Et en fait Vénus elle est pas mauvaise en soi, euh, elle est intéressante, c'est juste que il faut juste qu'elle soit bien lunée. En fait, si elle est pas bien lunée, on en prend plein la gueule parce que forcément en fait ça va elle est là pour dynamiser la machine, ce qui fait qu'à un moment donné si on est porté par des énergies euh, très négatives elle va être là comme une espèce de pile energizer euh, à, à donner de l'énergie à tout ça. Et euh, là, en l'occurrence, avec elle, on a Mars. Et Mars, c'est la guerre. Donc, on a la guerre qui est portée par l'amour, mais qui est aussi portée par la passion. Et donc, Vénus, Mars, on en reparlera. Mais c'est faire l'amour. C'est donc on, on verra que la Nativité, à mon avis, va repartir de plus belle. On va avoir une belle croissance. Mais c'est également faire la guerre. C'est également se battre. Donc, quand je disais un petit peu en, en, en déconnant sur Facebook euh, que que cette année était sponsorisée par, euh, <laughs> par Léon Tolstoy. <laughs> C'était pas, pas qu'une blague en fait, parce qu'on est vraiment. c'est le, le titre, le générique de cette année, c'est Guerre et paix », quoi. Vraiment, on est là-dessus. Et donc, c'est à la fois on s'aime et en même temps on se tape dessus. Donc, c'est la guerre des roses. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, La guerre des roses. On est vraiment là-dedans. Et en plus de ça, on se retrouve avec euh, Zeus. Zeus qui est réellement le bras armé, en fait, de, de Mars et en même temps qui est la conséquence positive de Vénus. Zeus, c'est un peu, euh, vous voyez... Euh ces espèces de d'éruptions volcaniques où on a, un, on a un bouchon très lourd et très dur et d'un coup, paf, ça explose et tout sort, ben, c'est un peu ça en fait Zeus. Zeus c'est la création, la procréation, la créativité, le fait de donner naissance à quelque chose, mais c'est également en fait quand vous prenez le canon d'une arme, à l'intérieur vous avez la balle et le moment où, paf, on décoche la balle, la balle part très vite, c'est un comportement euh, zeusien en réalité, c'est très très typique de Zeus. Et Zeus justement va avoir un impact sur cette année. Et Zeus alors ça a également dans notre quotidien même ça a un impact très fort sur euh, alors tout ce qui est mécanique, moteur, machine à vapeur, le feu également. Et je me demande si on n'aurait pas peut-être la découverte au cours de cette année par exemple d'un nouveau combustible, d'avoir quelque chose qui, euh, qui pourrait être une nouvelle source d'énergie. Ce n'est pas improbable à mon avis qu'on trouve quelque chose. Et ce qui est assez amusant... C'est que je me suis quand même demandé au cours des, des mois derniers s'ils allaient pas très rapidement nous coller un vaccin, effectivement, en travers de, de la gorge. Et euh, bah, ça n'a pas raté, puisqu'ils annoncent déjà. Alors, c'est assez rigolo, parce que, vous savez, quand vous regardez les, les élections, par exemple, municipales, c'était la course aux arbres. C'est-à-dire que euh, la future maire de Paris voulait mettre 100 000 arbres, le futur maire de Bordeaux, c'était 150 000, et puis telle autre, c'était 180 000. Oh, c'est une espèce de jeu aux enchères. Et là, on fait la même chose avec les vaccins. C'est-à-dire que euh, les États-Unis ont un vaccin valide à 90% les russes c'est 92%, on va en avoir un autre qui va nous sortir 96,5%, donc c'est à qui va faire cette guerre des chiffres. Et on, on voit bien qu'encore encore une fois, tout ça est mené euh, toujours et encore par des hommes, parce qu'on se la mesure, hein, c'est à savoir qui a la plus grosse, donc <laughs> c'est toujours euh, pathétique, en réalité le terme, c'est juste pathétique. Donc, euh, donc voilà, donc on se retrouve avec... Euh, avec ce Zeus qui est là, et je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne pourrait pas être un vaccin, parce que Zeus, c'est également les choses qu'on injecte, en fait, c'est les choses qui, qu on, qu on, en gros pardonnez-moi l'expression, c'est vraiment les choses qu'on fait gicler. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Zeus-Mars, Zeus-Mars, c'est l'éjaculation. Zeus-Vénus, c'est la fertilité euh, et la fécondation. Donc, là, en l'occurrence, on se dit, bon, il y a un truc où il y a quelque chose comme quelque chose qui injecte. Eh bien, j'ai regardé, du coup, je me suis un peu amusé à aller jeter un œil. Et effectivement, on a exactement la même configuration. Alors, les planètes sont pas au même endroit, mais la configuration est la même. Euh, que au moment où on a découvert le vaccin antirabique puisque c'était un ensemble c'était un jeu entre le point vernal Zeus et puis une figure qui est euh, Apollon Hadès alors Hadès c'est la maladie Apollon c'est la science et donc du coup on injecte quelque chose euh, et donc ça a un impact mondial puisque c'est en rapport avec le point vernal euh, on injecte quelque chose euh, qui est en rapport avec de la science de la maladie donc voilà comment on, comment on peut médicalement euh, transformer la maladie pour pouvoir en faire quelque chose qui peut être plus ou moins curatif <laughs> je dis plus ou moins parce que fondamentalement je suis très heureux que les vaccins existent et qu'ils peuvent fonctionner mais je suis pas forcément fan <laughs> j'ai vécu j'ai pas vécu de bons moments avec les vaccins voilà, euh, donc du coup, on se retrouve effectivement avec, euh, avec une, une, une signature planétaire qui est un peu, un peu étrange. Où on mélange la paix, on mélange la guerre, on mélange cette espèce de médecine un peu étrange. Où on débarque et ça reste très expérimental en réalité. Et on va voir à quel point ça peut être expérimental sur, sur d'autres points, pas que pas d'un point de vue médical, mais il y a beaucoup de choses qui se, se testent au cours de cette année. Et on n'est pas sûr que ça, que ça aille dans, 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 dans une bonne direction. Donc, ça, c'est pour la signature générale. On va regarder maintenant un peu ce qui est d'ordre planétaire, c'est-à-dire rentrer un peu dans le détail de ce qui est planétaire. Et du coup, je vais attaquer... Avec Mercure, et puis je vais vous parler en même temps un petit peu des mi-points parce que je sais que ça a intéressé certains d'entre vous. Alors, pour ceux qui voulaient juste le résultat, je suis désolé, je vais vous embêter un peu avec ça. Mais comme je sais que ça intéressait pas mal de gens de voir un petit peu comment fonctionnait l'astrologie uranienne, du coup, je vais vous montrer. Alors, le, la première chose qu'on voit, c'est euh, l'activation du mi-point Mercure-Vénus, euh, alors qui, qui est en réalité indirect. Hein. On n'est on pas, pas sur quelque chose de direct, mais comme on touche à Mercure et Vénus en même temps, on active le mélange entre les deux. Et là, en l'occurrence, euh, Mercure et Vénus, c'est un mi-point qui va nous parler de l'importance des arts, d'un retour de la culture. On remet en avant le fait d'exprimer de la beauté, de montrer de la beauté, de, euh, de de parler bellement, on va dire, par exemple, Mercure. Comme c'est la communication et Vénus, c'est la beauté, on peut retrouver Mercure-Vénus dans la notion de chant ou dans la poésie. Et donc, en fait, on va essayer de d'arrondir de, un peu les angles. On va essayer, au cours de, de cette année, alors encore une fois, on essaie vraiment des, des, des actes euh, un peu mondiaux. Mais là, déjà, on peut se dire ok, c'est intéressant parce qu'on va essayer de ramener la paix dans la discussion. Sauf que. Du coup, dans le même plan se trouve le mi-point Mercure-Mars, Mars qui se trouve à l'opposé hein, de, de Vénus, et euh, Mercure-Mars, ça c'est les critiques, c'est les débats. Euh, donc d'un euh, côté on a envie de, de faire la paix, <laughs> et puis de l'autre côté on est très content euh, d'aller tacler un peu le voisin. Et je pense que du coup de facto, euh, on, on va dire euh, euh, ABBC égale AC, euh, j'ai envie de dire que du coup les artistes vont certainement en prendre plein la poire également, à nouveau cette année, donc je suis désolé. Donc vous, vous aurez la parole, on vous écoutera, chers amis euh, chanteurs, danseurs, poètes, dramaturges et compagnie, on va vous écouter. Mais je pense que vous serez la cible privilégiée, euh, privilégiée pardon, des, euh, des, euh, des débats, des critiques et le fait d'en prendre un, un, un petit peu plein les dents. Et en même temps, ce Mercure Mars va nous parler également de décider et d'agir. C'est-à-dire on prend une décision et on y va tout de suite. Et en fait, je pense que euh, c'est une année où il va se passer beaucoup de choses de manière très précipitée. Et en même temps, de manière un peu brouillonne, parce que j'en reparlerai un peu particulièrement pour nous, notre pays, les gouvernements sont complètement des incompétents. Voilà. Euh, bon, on le sait, j'invente rien, c'est presque une lapalissade, mais bon, je le dis, parce que ça apparaît et vous allez voir. Euh, mais je pense que plein de décisions vont être prises très vite euh, de manière... Voilà, à, à se succéder très rapidement, et qu'elles ne seront pas forcément bonnes, et elles ne seront pas judicieuses non plus, euh, a priori. Et euh, bon, bah voilà, ceux qui ont le pouvoir ont la parole, et ils en feront ce qu'ils voudront, mais donc ils en feront, bien entendu, n'importe quoi. Et ça va se confirmer par la présence de Mercure Zeus. Mercure Zeus, ça, c'est euh, donner des ordres, c'est euh, les, les, les édits, les lois, euh, les décrets, et c'est également la figure, malheureusement, du dictateur ça, il faut s'y attendre. Alors, ce n'est pas uniquement chez nous, même si euh, notre, euh, notre Nabo en chef euh, est très fort pour ça. Je pense qu'a priori, euh, il ne sera pas le seul et qu'un peu partout euh, sur la planète vont émerger un petit peu des, des dictateurs euh, ici et là. Euh, donc, on verra un peu comment ça va se passer chez euh, les, les superpuissances, particulièrement avec euh, Biden aux États-Unis, voir s'il euh, prend la direction ou pas, ou si Trump arrive euh, par euh, quelques moyens que ce soit à revenir à la barre. Mais dans tous les cas, ça sent pas forcément... Ça sent pas forcément, forcément très bon. Et puis nous avons évidemment Mercure et, euh, et Poséidon. Et alors, ça, c'est très très intéressant parce que ça va nous parler de nouveaux idéaux qui vont émerger ou d'une nouvelle politique. Et je me demande si on n'aurait pas un nouveau courant politique qui pourrait arriver, quelqu'un qui amènerait une nouvelle pensée, une nouvelle manière de voir, ou alors quelque chose d'ancien qui revient, ou quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup, ou qui n'avait pas en tout cas forcément la parole, et qui d'un coup, paf, ça explose, on en parle et ça prend vraiment de l'ampleur. Donc là, encore une fois, je suis sur quelque chose de mondial. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de bouillir. C'est vraiment cette notion de euh, on est dans une marmite et le, le, la soupe elle est vraiment en train de prendre. Et il y a quelque chose je pense qui va vraiment pointer le bout de son nez au cours de cette année. Un nouveau courant politique. Alors euh, je ne sais pas qui, malheureusement, je ne peux pas vous dire qui va présenter tout ça, je peux toujours vous dire qui ne va pas présenter tout ça, mes amitiés à Emmanuel Valls, mais je pense que <laughs> ça ne sera pas pour lui cette année. Euh, mais voilà, en l'occurrence, euh, on a vraiment quelque chose qui est en train de, de bouillir et qui est mi-amitié, mi-guerre, et vraiment à la fois on va essayer de faire de la belle poésie et du beau chant, et de l'autre côté on tape dessus avec une poêle à frire, et au milieu de tout ça.. Émerge une espèce de personnage. Alors, je ne sais pas si, si vous regardez, par exemple, des séries comme American Horror Story, mais par exemple, on a eu une saison dans American Horror Story qui est American Horror Story Cult, c'est-à-dire basée sur la politique, en fait, sur un culte de type sectaire, mais émergeant de, par le biais de la politique. Et en fait, l'idée d'avoir de, 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 cette, cette voie, en fait, d'induire de, de, un nouveau paradigme par le truchement de la politique est quelque chose qui pourrait très bien émerger au cours de cette année. C'est-à-dire vraiment, on va utiliser les idéaux, la notion de euh, rien ne va dans notre monde, il faut avoir une vision euh, sociale et économique différente. Voilà, je vous présente ma manière de voir. Et en réalité, derrière tout ça se cache une idéologie qui est autre que politique et qui est certainement un petit peu plus grande, qui est peut-être. Euh euh, oui, peut-être un peu dystopique, malheureusement. Je... Ça, je peux pas le garantir. Il faut attendre encore un petit peu. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Euh, ensuite, quand on regarde, du coup, là, on avait pris pour, pour point de départ Mercure, mais si on regarde Vénus, ben, on a Vénus et Mars. Et ça, c'est la communauté de sang. Alors, c'est également la, la sexualité. Donc, c'est pour ça que j'avais parlé. J'avais dit qu'on allait certainement avoir de nouveau de la pro procréativité et un retour euh, de la nativité. Certainement pas mal de naissances au cours de cette année. Je, je gagerais pas non plus qu'on aurait un, un nouveau baby boom, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas forcément très loin. Mais le truc, c'est que on a là ici avec Vénus Mars, on a c'est la notion de communauté de sens, c'est-à-dire on se retrouve avec nos semblables. Et le truc, c'est que nous sommes dans une période qui est euh, déjà relativement grégaire et euh, grégaire slash sectaire. Et là, <laughs> malheureusement, entre l'impact de Vénus qui est très fort et de Mars qui fait la guerre et le fait d'avoir le mélange des deux où on se dit en fait j'ai envie d'aimer des gens. Mais seulement ceux qui me ressemblent, bah, euh, entre, euh, entre voilà, le racisme, le sexisme euh, et j'en passe, euh, j'ai l'impression qu'on peut rentrer vraiment, vraiment dans une ère de ségrégation entre guillemets positive. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que, qu que j'entends par positive C'est-à-dire qu'une ségrégation n'est jamais positive, mais en fait on ferait passer euh, sous couvert de euh, euh, c'est juste que je me sens mieux avec mes semblables c'est juste que je me sens bien une espèce de de, de comportement clanique euh, ou tribal euh, qui fait que en réalité on chasse ceux qui ne nous ressemblent pas sous couvert d'aimer davantage ceux qui nous ressemblent et donc voilà on a une espèce de, de de... je sais même pas comment je pourrais dire, parce que c'est même pas du whitewashing ou du blackwashing ou du feminism washing, mais il y, y a toujours cette idée d'aller nettoyer, euh, cette idée de... Ah non, 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 mais moi je suis pas raciste, parce que j'ai un ami qui est, mais... C'est <laughs> toujours ce truc où on met en avant, et en fait là, on va vraiment le cacher, on va vraiment le camoufler. Euh, sous cette idée de... Ah non, mais euh, le, 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 les, les noirs sont complètement acceptés dans mon groupe, c'est juste qu'effectivement on se sent mieux entre blancs. Vous voyez, y a toujours cette idée de... Je, je, je fais de la ségrégation, mais de manière intelligente. Et du coup, on, a, on commence à le voir en réalité sur certains groupes, par exemple religieux, euh, ou sur certains groupes même de type euh, d'axe racial, euh, pardon, le mot n'est pas, euh, pas apprécié, mais c'est le mot qu'on utilise, voilà, c'est comme ça, où on va avoir effectivement une, une de, des, des, des agrégats claniques où on va soudainement se dire bon ben euh, voilà, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un, un blanc avec nous ou d'avoir un arabe avec nous, ou d'avoir un chinois avec nous, voilà. Et d'un coup, on a cette espèce de, de de monter d'une forme de ségrégation qui est de type positif dans le sens je, je n'exclus pas les autres mais je préfère inclure ceux qui me ressemblent et ça clairement je suis pas je suis pas, je suis pas fan je suis pas fan du tout je, je le sens pas en fait je le sens pas très bien euh, qu'est ce qu'on a d'autre on a, on a euh, Vénus zeus Vénus zeus c'est l'ensemencement et la procréation de nouveau donc à nouveau je pense qu'on va se retrouver avec euh, certainement quelques, quelques naissances alors vous mirez bon, après deux confinements je pense que si on s'ennuie un peu, effectivement, c'est un peu normal qu'on ait pas mal de naissances. Donc, ça serait un peu logique. Mais c'est intéressant également Vénus, euh, Zeus, parce que Zeus, c'est créer quelque chose, c'est donner naissance à quelque chose. Et Vénus, c'est également la beauté. Donc, on donne naissance à la beauté. On se retrouve à nouveau sur de la production artistique. Donc, encore une fois, coucou mes amis artistes, l'heure le, le, est plutôt pas mal pour vous pour créer des choses, parce que je pense que en fait, euh, l'art va représenter certainement une espèce de bouffée d'oxygène et une, une porte ouverte pour souffler, puisqu'on est en train d'interdire les manifestations, puisqu'on est en train d'interdire les mobilisations étudiantines, puisqu'on est en train d'interdire de filmer même, par exemple, les malversations policières lors des, lors des manifs, euh, puisqu'on est en train de fermer quand même grandement euh, le, la liberté d'expression, hein, euh, voilà. Bon, après, la liberté d'expression ne doit pas euh, être la porte ouverte, un hein, sous-couvert qu'on ait la liberté d'expression de pouvoir raconter n'importe quoi, voilà, comme dans des documentaires et autres. Euh, c'est pas, pas une solution en réalité, c'est pas du tout une solution d'aller fake newser à tout va. Est un, être un, un serial connerieur n'a jamais apporté un soupçon de vérité ni de bien-être et a fortiori si une information qu'on vous délivre euh, est, fait émerger en vous une émotion plutôt qu'un désir d'analyse dans ce cas-là c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit voilà c'est juste que ça demande de, de, de faire preuve d'un recul par rapport à ce qui est pulsionnel chez nous qui est de type émotif émotionnel et c'est très dur parce que quand on nous prend à la gorge voilà avec des informations qui sont très sensibles c'est compliqué et moi je le vois par exemple parce que j'en ai parlé euh, sur, sur facebook avec euh, bah, les élections présidentielles où on avait dit qu'il y avait eu des malversations, et en plus de ça en astrologie c'est évident, et tout de suite on m'a taxé de « oui t'es pro-Trump, je suis pas du tout pro-Trump, je vomis ce mec, mais je le vomis autant que Biden ». Mais c'est juste qu'à un moment donné, quand on élit le, 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 premier, euh, le premier dirigeant de l'une des plus grandes puissances de ce monde, on aimerait que ça soit fait vraiment par la volonté du peuple et non pas par euh, « super ». C'est toi qui as le mieux triché, bravo, t'as le droit d'être président. Donc voilà. Et, et le truc, c'est que qu'on donne cette information. Moi, par exemple, sur Facebook, je donne cette information. Non, il faudrait refaire des élections. Ah, évidemment, ça ne sera pas fait, personne ne m'écoute, tout le monde s'en fout. <laughs> ça aurait été bien, bien qu'on m'écoute. Mais il faudrait refaire ces élections sans tricherie, c'est-à-dire vraiment avec. Euh avec une, une observation du, des vrais contrôles euh, ce qui ne sera évidemment pas fait euh, et c'est un fait, c'est simplement un fait et puis tout de suite on va dire ah oui mais c'est parce que t'es pro Trump, t'es dégoûté qu'il est perdu, enfin, je, je m'en fous, ce, ce mec qui est anti LGBT, qui est anti féminisme qui est, qui est vulgaire, qui est violent, qui est agressif qui est dégueulasse, enfin je, non j'ai clairement pas envie d'avoir ce type à la barre, euh, mais j'ai pas plus envie non plus d'avoir Biden et puis euh, ses mains baladeuses, et ses bisous un peu tendancieux et ses comportements qui mériteraient leur place certainement dans un institut ou derrière des euh, mais donc voilà, quand on vous donne une information, il faut être très très attentif un peu à euh, voilà, est-ce que... Est-ce que ça me permet euh, de, de rebondir dessus, dessus Est-ce que ça me permet de changer quelque chose peut-être à mon comportement Est-ce que ça me permet de prendre des décisions qui vont m'aider à euh, peut-être simplement améliorer mon quotidien ou pas Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on bride tellement ces possibilités de pouvoir être un peu clairvoyant sur l'information que d'un coup, la porte de sortie, ça va être les arts. Les arts vont vraiment ressortir euh, de manière très forte. Alors, encore une fois, la poésie, le chant, ça peut être la danse également, parce que Vénus, euh, Zeus, là où, où Mercure, Vénus, par exemple, était plus de l'ordre de la parole, de quelque chose chose qui est dit, mais par exemple Vénus Zeus, on peut le voir également sous euh, sous la danse euh, ou les arts plastiques, les arts plastiques énormément, oui ça ça apparaît très bien. Et on a également Vénus, euh, Apollon, fin, euh, euh, Vénus Poséidon, pardon, qui forcément euh, apparaît. Et ça, ça c'est l'attrait du spirituel, euh, c'est l'amour religieux, le, le fait de se tourner vers la foi. Euh, mais c'est aussi euh, l'attrait le, le, idéologique. Ça peut être bon, comme ça peut être très mauvais. Hein. Les islamistes qui se font sauter ou qui font sauter les autres, parce qu'en règle générale, ils préfèrent que ça pète à la gueule des autres plutôt qu'à la leur, en règle générale, sont dans une visée qui est Vénus. Poséidon. Mais nous, on le vit d'une manière différente. En fait, les victimes, on le vit Mars-Hadès. Mars-Hadès, hein, ça, c'est le, le, les attentats. Les attentats, ou alors euh, peut-être du, euh, du Admet vulcan ou du, du Hades, euh, Hades Admet, hein, qui sont généralement des figures qui apparaissent dans les cas de, de, de terrorisme, par exemple. Euh, là, là en l'occurrence, voilà, le fait d'avoir ce Vénus Poséidon peut être une bonne chose, comme ça peut être une très mauvaise chose. Donc, voilà, on a simplement cette idée de, de se tourner, du coup, puisque la vie est merdique, puisqu'on n'a plus grand-chose à bouffer, parce qu'on ne peut pas partir en vacances et puis parce que euh, on, on nous bride de tous les côtés, on se tourne davantage vers ce qui est, euh, spirituel et vers ce qui est euh, comment on peut dire oui euh, un peu euh, paranormal d'ailleurs je, je vous en parlerai après mais on le voit effectivement euh, on le voit apparaître donc ça peut être bon comme ça peut être euh, ça peut être effectivement un peu, un peu moins bon et puis ensuite, on a Mars, Mars qui est conjoint euh, à Zeus, hein, évidemment, et ça, c'est les machines. Euh, les machines, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est également les militaires, euh, les armes, le laser. Donc, on a un impact très fort, certainement, au cours de cette année, encore une fois, d'un point de vue technologique, euh, certainement sur l'utilisation de nouvelles manières de, de se propulser, de nouveaux combustibles, ce genre de choses. Euh, alors, on peut y trouver également l'impact le, 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 médical. Je pense qu'on peut découvrir une nouvelle technologie, euh, une nouvelle manière de traiter des problèmes parce qu'on le voit hein, ça c'est la notion par exemple du laser c'est pas c'est pas que le laser c'est en réalité les technologies euh, qui euh, qui vont transformer on utilise l'énergie pour transformer pour avoir un impact et comme ça tombe sur un autre mi point dont j'ai parlé tout à l'heure qui est Hades apollon qui est la science de, de, du médical euh, ou de, de la maladie il n'est improbable qu'on découvre quelque chose de majeur, d'impactant au cours de cette année. Euh, et particulièrement, j'ai parlé du vaccin pour le Covid, mais je pense peut-être à d'autres traitements certainement plus euh, marquants qui sont peut-être encore d'un point de vue expérimental aujourd'hui pas prêts à être sur le marché. mais on, on pourrait faire une découverte quand même majeure à la fois dans une technique peut-être médicale dans une technique médicale et également dans un traitement médical un vaccin. alors est-ce qu'on pourrait enfin découvrir un traitement pour soigner une bonne fois pour toutes euh, vih et cancer? ça serait pas mal. donc euh, croisons les doigts. ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre avec euh, avec ce, ce Mars euh, Mars Zeus En fait, Mars Zeus, ça nous donne une autre optique qui est le travail pour la création. On travaille pour créer. C'est-à-dire que là, euh, ça c'est l'aspect un peu négatif de la chose. En gros, on se remet au turbin parce qu'il y a quelque chose à reconstruire. En fait, il faut reconstruire notre notre société après ces confinements. Et en fait, en gros, on nous mettrait au boulot, mais c'est pas du tout pour le plaisir. On se fout pas mal de savoir qu'on puisse être heureux ou pas dans notre travail. Là c'est vraiment le moment d'être productif, juste d'être productif. On a également Mars Poséidon. Euh, Mars Poséidon, ça c'est euh, ça c'est l'idée d'avoir de, de, une attitude morale ou une activité un peu euh, spirituelle ou de sagesse. Euh, C'est-à-dire on essaye de, euh, bah, de se mettre un petit peu dans des rangs. C'est-à-dire voilà, moi je prends mes bonnes résolutions cette année. Cette année, je m'y tiens. Donc il y a vraiment l'idée de devoir se tenir à ces résolutions, ce qui peut être une bonne chose en réalité. Le point de vue négatif, c'est que ça nous parle également de combat idéologique. Et donc les personnes qui ont une idéologie particulière vont se battre encore davantage. Et ça c'est pas, c'est pas cool. Ça c'est pas terrible, terrible. Donc euh, ça, ça laisse un peu, ça laisse un peu pantois. Euh, Et enfin, nous avons Zeus Poséidon qui nous parle là d'être soumis à une direction d'esprit. Ben, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, ça peut être euh, par rapport à la, à la rétention de liberté que nous avons. Hein, on, nous, on nous limite grandement, on ne peut plus donner notre avis librement, on ne peut plus dire ce qu'on en pense librement. L'information circule de manière libre, mais elle est ponctuée d'âneries et de fake news, et les bonnes informations se reléguées au second plan, parce qu'on préfère simplement des fake news qui font de l'esbroufe à une vérité où on se dit, oh, ben c'est ça la vérité. Mais oui, c'est ça la vérité. En réalité, euh, la vérité ne fait pas forcément rêver, la vérité n'est pas forcément pas palpitante au même titre que par exemple ce vaccin euh, ce, ce virus pardon euh, n'était pas un immense complot mondial euh, personne ne cherche euh, à, à nous confiner avec des masques pour le plaisir, au contraire, le fait de se balader avec des masques, c'est très euh, frustrant et très gênant pour un gouvernement qui ne peut pas nous contrôler au faciès, qui ne peut pas nous contrôler sur euh, de la visio, euh, avec des caméras, par exemple. Donc non, ça n'est pas, pas un immense complot. Euh, la vérité, c'est que, ben ouais, les maladies, ça arrive, les maladies, il y, y en a eu plein, et c'est pas fini, il y en aura d'autres. Et... Euh, et non, ça n'a ça rien de. Ça n'est de, 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 pas une, une immense machination menée par les reptiliens. La vérité, elle est chiante et ennuyeuse. La vérité, c'est que les maladies apparaissent, que celle-ci est apparue. Et la vérité, c'est que les gouvernements se sont comportés comme des cons pour la plupart, particulièrement le nôtre, qui est une espèce de festival de bras cassés, euh, où il n'y a pas une seule décision correcte qui, qui, qui soit prise, et où en plus ils ont le don de se, de se contredire les uns avec les autres. La triste vérité, c'est ça. La triste vérité, c'est que les emmerdes, ça arrive et on est gouverné par des cons. Point. Il n'y a pas, c'est pas, et voilà, les reptiliens, siono, euh, franc maçons euh, extraterrestres, Illuminati n'y sont pour rien, voilà, tout va bien, on peut se détendre, mais je comprends après que on aime ce côté un petit peu palpitant puisque euh, nos vies sont certainement pour la plupart d'entre nous assez ennuyeuses et puis on se dit ah c'est ça ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Euh, on a envie d'avoir quelque chose qui va nous faire rêver. Même si c'est horrible, ça nous fait rêver. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans le cinéma, les films dits dystopiques ont autant de succès C'est pour ça, c'est parce que on se dit ah ah si demain on apprenait que c'était vraiment l'horreur, on aurait quelque chose contre lequel se battre. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui on n'a pas grand-chose contre lequel se battre. On a juste à se battre contre les mensonges qui sont là pour teinter la vérité. C'est tout. Alors c'est triste, <laughs> c'est navrant, mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. Si on rentre un petit peu plus en détail, maintenant je vais rentrer un peu plus en détail, euh, je vais vous parler cette fois-ci de, de des, ce qu'on appelle des, des équations planétaires. Alors là, on a le soleil qui euh, évidemment se trouve entre euh, Mercure et Vénus. Ça, c'est le fait de se faire de nouvelles connaissances et d'avoir un intérêt pour la beauté, la, les, les, la plastique, les formes, les sculptures. Donc, à nouveau, on voit les arts qui apparaissent, mais on a aussi l'idée de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir sur d'autres mi-points encore l'idée de rencontrer de, nou de nouveaux gens, de nouvelles personnes. E c'est un, une année qui va être importante dans l'idée de se regrouper, de se retrouver. Et on le revoit à nouveau avec Mercure, Vénus et Mars, où là, cette fois-ci, c'est l'idée de, de faire des connaissances de se familiariser, euh, de, de tisser des liens avec de nouvelles, euh, nouvelles personnes. Alors c'est aussi l'impact avec, enfin euh, le fait d'avoir des relations avec les militaires. Alors je, je dirais pas qu'on va se retrouver avec euh, les milices dans les rues, mais euh, le, les militaires, je pense, euh, auront euh, seront certainement mobilisés, euh, voilà pour euh, pour quelques raisons. Et je, je pense qu'on peut peut-être même un peu, euh, j'ai envie de dire, copiner peut-être avec eux, peut-être de faire confiance euh, aux militaires. Et je pense qu'ils pourraient être là pour quelque chose de euh, soit d'un peu rassurant, soit ils seront très à proximité de nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai pas encore réussi à bien éclaircir l'impact du militaire. Mais c'est également Mars avec euh, euh, Mercure-Vénus, c'est également le travail artistique. C'est œuvrer par passion ou, par, ou pour la beauté. Et donc à nouveau, les arts ressortent, donc une un, un, un très grand impact artistique. Euh, nous avons également Zeus qui se trouve en relation avec Mercure et Vénus. Alors ça, ça, ça peut être bon comme ça peut être moins bon. Alors c'est parfait pour les pyrotechniciens, euh, pour ceux qui travaillent avec le feu, soit artistiquement, soit simplement par exemple les pompiers. Euh, mais par contre là, on a un énorme risque de pyromanie ou d'incendie criminel. Euh, ça, c'est euh, pas cool. Ça, c'est pas terrible. Alors on a, un autre, on a un autre, euh, une autre signification que moi, j'aime pas trop avec celle-ci. C'est la contrainte de salutation. Alors qu'est-ce que ça veut dire la contrainte de salutation, c'est être obligé d'être sympathique avec les gens, de s'incliner devant eux, de dire oui bien sûr, bonjour, merci, comment allez-vous, etc. Voilà cette espèce de truc euh, un peu euh, un peu dégoulinant de, de pseudo bons sentiments. Et euh, je suis pas je, je, je suis pas fan fan de, de cette figure là parce que elle peut nous obliger à en réalité accepter certaines choses qu'on n'accepterait pas et de devoir courber le dos et, euh, et peut-être même d'accepter autour de nous ou chez nous des gens que en temps normal on n'accepterait pas. Moi par exemple c'est quelque chose que j'apprends avec le temps, ça a été quelque chose de très difficile, mais d'apprendre à dire à quelqu'un « je comprends que tu as envie de te lier à moi, que tu as envie qu'on discute et qu'on se voit et que juste j'ai pas envie en fait ». J'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Je, je comprends peut-être que je pourrais t'apporter quelque chose, mais je pense pas que tu puisses m'apporter quelque chose et je n'ai pas envie que tu m'apportes quelque chose. Et ça c'est quelque chose de très dur à dire. C'était quelque chose de très compliqué de d'accepter de, de dire j'adorerais t'aimer mais je ne t'aime pas. J'adorerais avoir un lien avec toi, mais je n'ai pas envie. C'est très dur, mais il faut apprendre. Et là, le problème, c'est que cette année, on se trouve dans cette espèce de situation où... <laughs> oui, bien sûr, oui. oui, Madame la Marquise. Et on, bon, moi, ça me... bon, je vomis ça par les narines. Donc, nous avons... <laughs> je vous laisse le bon soin de l'image. Euh, nous avons également Poséidon avec Vénus euh, et Mercure. Et ça, c'est découvrir une nouvelle pensée, une nouvelle croyance, une nouvelle religion ou une, un nouvel idéal ou une nouvelle politique. Donc ça, j'en avais parlé. On le retrouve de nouveau. Hein. Mais c'est également se retrouver par familiarité d'esprit, c'est-à-dire on se retrouve avec des gens qui ont la même pensée que nous, la, le, la, le, la, le même idéal, le, la même spiritualité, la même religion. Donc on retombe à nouveau sur quelque chose d'un peu clanique, d'un peu, euh, d'un peu tribal. Voilà, c'est pas forcément terrible. Sur Mercure-Mars, Mercure, Mars, nous avons Vénus, ça c'est les scandales sexuels. <laughs> on verra si ça jaillit, mais je pense que les Balance ton porc et euh, les, euh, les MeToo et compagnie, je pense qu'on n'en a pas fini et qu'on va certainement en apprendre peut-être de belles au cours de, de cette année. Mais de manière en tout cas plus globale, ça c'est le débat passionné. Hein. C'est le débat passionné, c'est celui qu'on aimerait être harmonieux mais qui se laisse emporter en réalité par, par la fougue. Et du coup, tout se passera bien si nous sommes entourés de gens qui ont le même avis que nous et tout se passera mal si nous sommes entourés de gens qui divergent. Donc, euh, ou qui divergent ou qui débite, hein. d'ailleurs on peut faire les deux. Voilà, c'était la petite blague. Euh, et du coup, alors euh, c'est un peu tendancieux parce que bah, est-ce qu'on accepte de, de, de mêler notre avis à celui de gens qui sont pas d'accord avec nous ou est-ce qu'on préfère rester avec des gens qui nous ressemblent C'est compliqué. Moi je pense que vraiment l'opposition permet de faire naître beaucoup de belles choses mais, euh, mais vous avez des gens avec qui euh, discuter avec eux ce serait comme euh, jouer une partie d'échec avec un pigeon. Hein. Si vous ne connaissez pas cette image, je vous laisse regarder sur internet un petit peu. Vous tapez euh, échec et pigeon, vous allez voir. En gros c'est... Euh à la fin, de toute façon, le, le pigeon n'écoutera pas vos, vos arguments, il renversera le plateau, il chira dessus et il dira qu'il a gagné. Voilà. Donc, <laughs> Donc ça, ça, ça ne sert à rien. Voilà. Donc je pense qu'en fait, cette, cette vision que nous avons là, qui est de manière globale un petit peu, comme je disais, un peu clanique, en fait, elle est presque nécessaire. C'est-à-dire, ça sert à rien en fait de perdre son temps à peut-être essayer de discuter avec des personnes qui ne, ne peuvent pas changer d'avis parce qu'elles ne veulent pas changer d'avis. C'est-à-dire que dans leur vision, c'est tellement rassurant. De toute façon. De, de, comment dire, de, de rester sur ses positions et de rester campé sur son opinion, que euh, ça, ne, ça ne sera pas arrangeant pour eux de changer d'avis, et en même temps, euh, c'est un peu orgueilleux et vaniteux de dire qu'on va faire changer l'autre d'avis puisque ça veut dire que dans ce cas là on considère qu'on a raison et si l'autre est du même avis bah, du coup qui a raison qui a tort bon, la, seule, la seule personne qui aura raison sera celui qui sera capable d'apporter des arguments donc de, de pouvoir argumenter de manière intelligente et sensée mais encore faut-il être capable de le faire et ça c'est un petit peu plus compliqué euh, mais, mais c'est très difficile parce que on a que deux possibilités c'est soit on décide qu'on va faire changer l'autre d'avis donc dans ce cas là on est dans un combat soit on décide simplement que ça nous enrichit d'écouter l'autre parce que peut-être ça va nous permettre de mieux comprendre nos propres positionnements et parce que peut-être on va des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, euh, c'est pas évident de savoir précisément ce qu'on va en faire de tout ça. Est-ce qu'on veut vraiment débattre avec l'autre pour avoir raison Est-ce qu'on veut débattre pour le comprendre et pour le rejoindre Et par exemple, en CNV, euh, en communication non violente, le, le dernier point quand on arrive finalement à se dire bon, on n'est pas du tout d'accord, c'est on se dit ok, en fait, c'est toi, tu sais quoi, toi et moi, on est, on est copains parce qu'on est d'accord tous les deux pour ne pas être d'accord. Et en fait, c'est la seule issue favorable au final. C'est soit on décide de faire changer l'autre d'avis, donc dans ce cas-là, on se bat contre l'autre, soit on accepte de changer nous-mêmes notre avis pour accéder à celui de l'autre. Et là, il faut être bien attentif à ce que les choses soient suffisamment étayées et argumentées pour être sûr qu'on ne se fourvoie pas et qu'on va vraiment vers quelque chose de correct et de réel et de, de tangible et détaillé. Euh, soit en fait, on, on, on est juste là à se dire, tu as le droit de pas avoir mon avis et il n'y a pas de souci. Et puis moi, j'aimerais pas qu'on me force à changer d'avis. Je ne veux pas te forcer à changer d'avis. Donc ça va, on reste copains. Donc c'est très, <laughs> très compliqué de savoir précisément où on va. Alors, ensuite, on a Zeus qui se trouve au mi-point de Mercure et Mars. Et ça, c'est le fait d'imposer son avis en euh, frappant du poing sur la table. Donc, c'est le fait de, euh, de, de s'imposer, euh, de prendre un ton un peu péremptoire, le fait d'être un peu euh, décisif. Euh, voilà, c'est pas une discussion en fait. C'est-à-dire que là, on a plutôt une ambiance en mode euh, ⁇ en fait, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi ⁇ mais il n'y a, y a, a pas de possibilité euh, intermédiaire, il n'y a pas d'entre deux, il n'y a pas quelque chose d'un de, de, peu délicat et de vraiment dans une discussion pour comprendre l'autre. Donc on voit qu'on est, on est quand même dans des énergies un petit peu nerveuses, on est, on est dans une forme d'agressivité de, de, quelque part. Ensuite, on a Poséidon qui se trouve entre Mercure et Mars. Ça, c'est se critiquer ou critiquer, critiquer l'autre d'un point de vue euh, spirituel ou d'un point de vue euh, religion. Donc euh, là, on est, bon, on, est, on est vraiment sur du débat de croyance. Hein. Alors, quand, quand on parle de spiritualité, quand on parle de religion, ce n'est pas, pas uniquement euh, du, du dogme. Hein. Il faut bien comprendre que. On a également cette notion de lorsque j'ai par exemple un avis euh, sur, euh, sur quelque chose, par exemple quand je crois euh, ou je suis persuadé qu'il euh, existe un grand complot, on est dans, dans une forme de, de conception très poséidéenne. Donc là, la poséidon, on le retrouve sous cette forme-là aussi. Donc par exemple, euh, les gens qui vont se critiquer en disant... Oui mais toi tu crois que la Terre est ronde, tu es complètement idiot, la Terre est plate. On est dans une croyance donc de type poséidienne et on va critiquer l'autre de ne pas avoir le même avis que nous. Lorsqu'on est persuadé que le gouvernement nous veut du mal ou au contraire qu'on est persuadé que le gouvernement s'en fout, c'est pareil. Moi aussi quand je donne mon avis là-dessus, je suis complètement dans une posture, je suis dans une posture qui est poséidéenne et qui n'est absolument pas révélatrice d'une quelconque vérité. C'est juste un avis qui est très, très ancré. C'est là où on est différent par rapport à Mercure. Je vous en avais déjà parlé, la différence entre Mercure et Poséidon. Mais avec, avec Poséidon, c'est vraiment quelque chose qui est ancré à l'intérieur, qui vit à l'intérieur de nous, qui a une empreinte très forte. Euh, Ce n'est pas, une, une, une pas juste un avis, une opinion légère, comme ça, quelque chose de, de désinvolte. On est vraiment ancré dans cette idée qu'il se passe quelque chose de grave à l'intérieur de notre société. Et en fait, c'est pour ça que le, le, la fake news, c'est. La fake news, d'ailleurs, je vais dire. Mais la fake news, en réalité, c'est la religion de demain. Enfin, c'est la, la religion de, même d'aujourd'hui. <laughs> demain est très, très dramatiquement aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre ici et maintenant. Et ça remplace en réalité une forme de foi, de croyance, de spiritualité ou de religion. Donc en fait, voilà, on, on est déjà là-dedans. Et quand on parle de, de se critiquer spirituellement, de débattre de religion, c'est aussi le fait d'avoir une politique un peu malveillante. un hein, Poséidon avec Mercure-Mars. Et on voit qu'en fait on est déjà dedans, mais du coup ça va pas nous lâcher au cours de, de l'année qui vient malheureusement. On a le Soleil sur Mercure, Mars également, et ça c'est se mettre physiquement en émoi ou physiquement en colère, c'est le fait d'être agité. Mais c'est aussi la grande importance de la voix. Donc à nouveau je reviens sur ce que j'avais déjà dit par rapport aux chanteurs, par rapport aux poètes, par rapport aux orateurs, par rapport à toutes les personnes qui vont utiliser la voix, la communication, ça va être très important au cours de cette année. Alors ça va être important pour les personnes qui veulent propager par exemple de la beauté, comme on l'avait déjà vu avec du mercure-Vénus. Si on a envie de donner des belles choses, c'est parfait. Par contre, pour ceux qui, bah, exactement comme par exemple les, 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 les personnes qui vont populariser de la fake news, qui vont propager euh, des messages propagandistes ou euh, violents ou d'appel au meurtre, au crime, à la haine, etc. En fait, ces gens-là vont utiliser justement cette année qui est en forme de porte-voix pour pouvoir justement être encore plus euh, entendus. Et c'était, je crois, c'était Michel Audiard hein, qui disait ça. Quand il disait que en gros, euh, voilà, le, 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 aujourd'hui les gens ont la possibilité. Bon, il disait ça déjà à l'époque, donc on imagine un peu aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, voilà, les gens ont la possibilité de dire tout haut ce qu'à l'époque ils disaient en petit comité dans les PMU. Ils étaient bourrés, ils étaient cons. Bon, on en les entendait qu'aux PMU. Aujourd'hui, ils sont toujours bourrés, ils sont toujours cons, mais on les entend, euh, on les entend malheureusement sur, euh, sur les grandes ondes. Et donc, c'est vrai que là, on a vraiment cette idée de cette année est un porte-voix qui sera là pour le meilleur ou pour le pire dans, dans ce qui pourra être transmis. Ensuite, on a Vénus qui se trouve entre Mercure et Zeus. Ça, c'est les décrets. C'est les décrets qui régissent les plaisirs, les us et les coutumes. C'est-à-dire, on a des habitudes, on a des choses qui nous font plaisir et il y a des lois qui tombent, on a des décrets qui tombent pour régir tout ça. Donc. On avait déjà vu qu'on n'avait plus de bar, qu'on n'avait plus de resto, <laughs> qu'on n'avait plus le droit, hein, comme j'ai dit, d'être à plus de 5 ou 6 dans, dans l'appartement. La, dans euh, c'est pas fini, je pense qu'en a vu, on n'en a pas terminé avec ça et que ça va encore nous faire la part belle au, au cours de cette année. Et c'est confirmé par le fait qu'on se trouve avec le soleil entre Mercure et Zeus, ça c'est les décrets et les condamnations. Et c'est encore plus confirmé avec Mars euh, qui se trouve sur Mercure Zeus. Et alors là, ça c'est les, les lois pénales et les procès. Euh, et ça c'est pas pas bon du tout. Et du coup, de ce Mercure Zeus va également émerger Poséidon qui nous parle à nouveau de concevoir de nouvelles idées ou une nouvelle politique. Donc il y a de, de, des choses qui, euh, qui avancent, en tout cas apparemment. On a également Vénus qui se trouve entre Mercure et Poséidon, et ça, c'est les idées spirituelles, les idéaux politiques euh, qui vont attirer les faveurs de, de, certains indifi, de certains individus. Donc là, on est vraiment à nouveau dans l'idée de présenter quelque chose, euh, quelque chose d'autre, une nouvelle pensée, une nouvelle, euh, une nouvelle politique, un nouvel idéal ou des nouvelles idéologies. Et est-ce que, euh, est que ça va prendre Oui, je pense que ça va prendre. Il y a quelque chose qui a une forme de succès à cet endroit-là. On a Mars qui se trouve sur Mercure Poséidon et Mars Mercure Poséidon c'est se battre euh, pour des raisons morales ou spirituelles. On le voit encore hein, ce combat idéologique. Et puis on a Zeus qui est sur Mercure. Euh, Mercure-Poséidon, et ça, c'est l'idée de, de convaincre ou de persuader l'autre de ses idées et par ses idées. Donc, vous voyez, on retom retombe encore à nouveau dans cette idée de on est vraiment dans un débat. Cette année, c'est vraiment un débat. Est-ce qu'on a envie de simplement d'être tranquille ensemble Non. En fait, on est vraiment dans l'émergence d'une nouvelle pensée, d'un nouvel idéal, et on va se battre vraiment pour l'imposer. On a Zeus qui est entre Vénus et Mars, à nouveau, ça c'est l'acte sexuel et la procréation, hum, ça devrait s'amuser un petit peu au cours de cette année, qu'on retrouve avec le Soleil lui-même, hein, qui est lui aussi euh, en relation avec Vénus et Mars, et ça aussi, ça c'est la procréation. Euh, c'est aussi euh, se battre par passion, à hein, corps et à main. Hein, euh, euh, on, a, on a Poséidon sur Vénus-Mars. Ça, c'est euh, l'amour platonique, ou c'est l'amour le, 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 fort pour une idéologie, de nouveau. Mais c'est également agir avec dévouement pour une cause. Et donc là, on voit la notion presque « je suis prêt à me sacrifier pour ce que je considère être juste ». Et puis, on a Zeus qui est avec Vénus-Mars. Et ça, c'est agir avec dévouement dans un but précis. Et euh, du coup, comme je disais, on a le Soleil, hein, avec Vénus-Mars, ça c'est se retrouver et se battre physiquement par dévouement. Et je me demande si effectivement on n'aurait pas un, une nouvelle pensée, un nouveau mouvement politique. Alors ce n'est pas forcément une idéologie nouvelle, ça peut être une idéologie nouvelle, mais ça peut être simplement une idéologie qui reprend un peu du, du un, un souffle frais, un souffle nouveau. Alors... Hmm. Ça peut être bon comme ça peut être pas bon. Hein. Euh, par exemple, euh, Daesh a un peu disparu des radars. S'il réapparaissait, on serait là-dedans. Voilà, ce sont des gens qui sont prêts à se battre corps et âme et à se sacrifier pour une cause qu'ils considèrent être juste, qui est idéologique ou religieuse et pour laquelle ils ont, eux, de l'amour. Euh, bah nous on va le vivre pas terrible voyez euh, si on ressort euh, des black blocs euh, ou de, des, des groupuscules du gu de, de l'extrême droite euh, voilà euh, qui, qui viennent euh, je sais pas euh, voilà euh, casser, euh, casser de l'arabe, casser du pd, casser du chinois et j'en passe comme ils aiment le faire et comme ils aiment le dire et le proclamer sur internet je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de, de rentrer moi je me suis un peu amusé entre guillemets à infiltrer certains groupes comme ça pour aller voir comment ça fonctionnait dedans je me disais ah oui quand même il y a <laughs> <laughs> c est... Là, c'est-à-dire que ce n'est pas politique, dans... c'est médical. <laughs> c'est pathologique à ce niveau-là. Donc là, bon, on voit clairement que les, les connexions ne se font pas chez tout le monde. Euh... Mais si ce genre de mouvement revenait vers l'avant, ça serait un drame. Malheureusement, ce n'est pas improbable non plus que ça revienne, que ça revienne vers l'avant. Donc euh... c'est un... un risque il faut faire attention. Et d'ailleurs, justement, arrive euh, le soleil qui fonctionne avec Mars-Zeus, et ça, c'est euh, le militaire ou le militant. Hein, c'est celui qui, qui se démène, qui fait un combat pour un objectif précis et qui le fait vraiment physiquement. Hein, il est, euh, il est euh, impliqué dans quelque chose vraiment avec son corps. Euh, ça peut être aussi la blessure par arme à feu. Donc, bon, là, on va dire que c'est euh, compliqué d'en de, donner une définition, puisque <laughs> c'est de l'astrologie mondiale, donc euh, ça ne va pas donner grand-chose. Mais en tout cas on a de nouveau la figure effectivement euh, militaire ou du militant euh, qui, euh, qui ressurgit. Euh, toujours avec Mars 2, on a Mercure et euh, Poséidon hein, du coup, qui apparaissent également dans ce sens. Et ça, c'est se battre pour une opinion ou pour un idéal. Mais c'est aussi, dans un autre sens, c'est la contrainte idéologique. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire, en gros, euh, voilà, on est obligé, on est contraint, on est enserré par quelque chose qui est une pensée idéologique, qui est une réflexion ou une opinion et à laquelle il faut, euh, il faut se plier. Donc, euh, bon, c'est pareil, c'est pas terrible au niveau de la liberté hein, de penser, c'est pas, pas génial, pas très encourageant. Toujours Mars, Zeus, euh, Vénus cette fois-ci. Euh, là, on a la... Ah, ça, normalement, ça, c'est la figure de, de la passion sexuelle ou du rut. Euh, bon, <laughs> je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de rentrer dans ce, dans ce débat-là. Je laisserai ça à chacun. Mais ça, c'est à nouveau le lien étroit avec les forces militaires ou avec des militants. Ou alors ce sont des gens qui militent justement parce qu'ils sont dévoués à une cause pour quelque chose qu'ils aiment. Donc à nouveau, on retrouve, on retrouve bien cette notion qui, qui ressurgit. On a Mars-Poséidon qui fonctionne avec Mercure. Et ça, c'est les disputes morales ou d'opinion, ou ce sont les, les combats idéologiques. À nouveau, on retrouve ça. Vénus euh, qui apparaît avec Mars Poséidon, ça c'est faire connaissance de gens qui sont des partisans, des gens qui sont des sympathisants idéologiques, ça hein. un peu sa coquiner avec des personnes qui ont la même idée que nous encore. Et puis Zeus sur Mars Poséidon et ça c'est mener une lutte pour imposer sa conviction. Donc on voit qu'on n'est pas encore sorti euh, précisément de ce mode où chacun va prêcher un peu pour sa paroisse. Le soleil qui fonctionne avec Zeus-Poséidon, ça c'est l'homme qui, qui revendique ou qui expose sa revendication. Donc on a bien l'idée de euh, soudainement quelque chose qui, euh, qui jaillit. Donc à nouveau, ça peut être soit un individu, mais ça peut être aussi un groupe. En l'occurrence, je pense que ce sera certainement plutôt euh, effectivement une, une pensée idéologique qui va surgir, une pensée politique. Voilà quelque chose qui apparaît. On a Mercure hein, avec, euh, avec Zeus-Poséidon, ça c'est le courant de pensée, mais c'est aussi parler de ses convictions. Donc c'est quand même pas improbable qu'on ait quelqu'un ou quelques-uns. Euh, qui va ou vont prendre la parole pour exposer les tenants et les aboutissants d'une certaine pensée, d'un certain en tout cas d'un certain courant. Et Vénus avec Zeus Poséidon, ça c'est adhérer à une conviction, adhérer à un idéal. Et enfin Mars avec Zeus Poséidon, et ça c'est se battre pour des raisons idéologiques. Ou politique. Donc, je pense que là, le, 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 la teinte est clairement donnée hein, par, euh, par ces planètes. Hein, donc, euh, Mercure, Vénus, Mars, Zeus et Poséidon. On voit bien le, la tournure que c'est en train de prendre. Je ne suis pas sûr que ça soit <laughs> forcément très positif, mais bon, on va, on va faire avec, on n'a pas le choix. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, maintenant, si on rentre dans le détail de ce qui est euh, euh, gouvernement, emploi, économie, voilà la manière de le vivre. Alors qu'est-ce qu'on a Tout d'abord, on a Chronos Vulcain. Ça, c'est euh, être sous le pouvoir de l'État ou le fait d'avoir une, une forme de coercition étatique. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, fallait sortir celui-là. Coercition. <laughs> c'est euh, vraiment l'idée d'avoir euh, le, le pouvoir qui use de son pouvoir et c'est un pouvoir qui pèse lourd, qui pèse très lourd. Et euh, voilà, si vous pensiez que cette année, on, on allait être dans une dynamique où on allait retrouver peu à peu nos libertés, euh, ou ouais, je pense qu'il faut pas rêver, ce pas pour maintenant. Hein, euh, et donc, on avait parlé hein, tout à l'heure hein, de, de, des lois, des édits, euh, du côté un peu dictatorial, on, on y rentre hein, au, fur, au fur et à mesure. Mais encore une fois, on est comme la grenouille dans la casserole, on fait chauffer l'eau au fur et à mesure, et puis euh, voilà, ça, ça nous permet de ne pas bondir, hein, c'est one step at a time. Ensuite, on a du Saturne-Chronos. Ça, c'est le grand blocage. Les restrictions officielles ou euh, les, les pertes hein, d'un point de vue public ou étatique. Hein, donc, on perd beaucoup de choses. Et donc, les, les, les blocages. C'est un blocage aussi légal. Hein, c'est la loi de Chronos hein, qui, qui bloque, qui enferme avec Saturne. Ça, c'est pas terrible. Et pourtant, paradoxalement, on a du Jupiter-Chronos, puisque Jupiter et Saturne sont ensemble. Donc, forcément, si on a du Saturne-Chronos, on a du Jupiter-Chronos. Et Jupiter-Chronos, ça, c'est le chef qui est heureux. Ça, c'est le président qui est, euh, qui est joyeux, qui se frotte les mains. Euh, et c'est également le financier prospère. Ça tombe bien, puisqu'on a eu la bonne idée de, de, de prendre un banquier pour président. <rire> donc, <rire> je pense que le nôtre sera très heureux, les autres aussi, parce que de toute façon, la plupart des présidents sont des lobbyistes, pour la plupart. Donc, euh, ils seront euh, très heureux également de ce qui va arriver. Neptune Chronos, alors ça, c'est l'incapacité des gouvernements. Hein. Ça, c'est les gouvernements complètement incompétents, mais c'est également les tromperies générales et les mensonges d'État. J'ai envie de dire... Euh un de plus, un de moins, bon ça va pas nous changer grand chose. Neptune Hades est toujours là. Alors, Neptune Hades, euh, c'est Neptune Hades qui a entre autres euh, euh, provoqué le, le phénomène de, de Covid. Alors, pas uniquement, hein, je, je sais que c'est. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je le rappelle très rapidement. C'est pas uniquement ce mi-point qui a pu le générer parce que c'est pas suffisant. Euh, mais c'est juste que là, effectivement, ce mi-point tombe sur le point vernal. Et le point vernal, c'est le monde. C'est pas terrible que ça tombe sur le monde parce qu'on n'en a pas fini avec la crise sanitaire. C'est pas terminé. Euh, pour ceux qui se disent. Le Covid, c'est une connerie, ça n'existe pas. Je vous donne des noms de, de certains de mes proches qui l'ont eu et de gens qui ont pu y rester, il n'y a pas de problème. Si, on veut, si vous voulez faire une liste, il n'y a pas de souci. Euh, mais non, ça n'est pas, pas une ânerie, ça n'est pas quelque chose qui n'existe pas, ça existe, c'est bien là, euh, il est bien présent et ça se voit très bien. Et donc, j'avais exposé dans une vidéo, même de toute façon, dans les débuts, je, quand j'avais fait mon site internet. Euh, D'astrologie uranienne dans les, dans les tout débuts, je faisais les, les horoscopes en ligne et j'avais mis l'horoscope en ligne dans lequel je parlais du passage de Neptune sur Algol et de sa relation avec, entre autres, Saturne Vulcan et euh, Chronos Hades. Et, euh, et voilà, donc le, le, la crise sanitaire telle qu'on la connaît, bon, ben, on est encore dedans et c'est pas encore fini. Ça va euh, se, dé se dissiper. Hein. Je pense que après 2021, a priori, courant 2021, ça va se détendre et à la fin, on devrait, on devrait être de nouveau un peu tranquille. Mais voilà, malheureusement, ça va rester. Le fantôme de, du Covid traîne toujours un peu. Euh, alors, ça peut être aussi les catastrophes aquatiques, mais ça, bon, pff, je ne vais pas en dire grand-chose parce que tous les ans, on en a. Mais bon, c'est vrai que là, j'avais pointé quand même du doigt, j'avais mis un, un, un post sur Facebook où j'avais parlé d'une catastrophe naturelle qui allait avoir lieu, un hein, séisme et, et tsunami. Effectivement, je suis tombé en plein dedans, donc je ne me suis pas planté. J'avais dit pour la fin d'année aux alentours de novembre-décembre, bah ouais, novembre, on a eu en Turquie, euh, Turquie et Grèce, donc euh, bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ne, ne lunaire Hades, ça c'est la relation désagréable, les bandes de voleurs ou les associations truandes, les liens cachés ou les réseaux obscurs. Donc les groupuscules qui ont envie de se battre pour leurs idéaux, mon avis, vont se faire plaisir. L'État continuera de sévèrement nous voler et de nous mentir. De toute façon, tout ce qu'ils vous diront, n'en croyez pas un mot ou allez dans, dans le sens contraire. Je crois que c'est pas plus mal que ça. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a évidemment donc j'en ai parlé tout à l'heure hein, du Hades euh, Hades Apollon alors ça c'est la science de la maladie donc c'est très important avec les, 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 peut-être les recherches hein, évidemment mais pas uniquement c'est également la pauvreté générale c'est la pauvreté qui se répand hein, parce que Apollon fait pulluler les choses et Hades euh, c'est le manque ou la pauvreté c'est également les effondrements commerciaux donc ça malheureusement c'est pas terrible pour les indépendants particulièrement qui vont douiller alors les grands groupes les GAFA vont se frotter les mains, les mains ils vont être ravis mais malheureusement les petits commerciaux vont vraiment vraiment en souffrir euh, c'est également la vente euh, de vieilles choses le fait de vendre des vieilles choses des choses euh, usagées euh, donc on voit peut-être les notions de devoir recycler ce qu'on a de devoir revendre les objets qu'on a pour pouvoir peut-être en fait on est, on, je pense qu'on arrive sur un, une étape peut-être un peu entre guillemets de décroissance où l'heure n'est plus à la production de masse. On arrête par exemple de produire des sommes monstrueuses de bagnoles euh, à un prix euh, exorbitant. En fait, on est, on est dans l'idée de Ah, t'as une vieille Fiat Panda. Bon, ok, on va, essayer de, on va essayer de réparer tout ça. Et puis, euh, oui, bon, elle ne roule pas très bien. Euh, le, le phare gauche est cassé. Le volant euh, branle un peu sur la droite. Mais tant pis, on va, <laughs> on va faire avec. Voilà, je pense qu'on est plus dans cette idée voilà, d'aller recycler les choses et de peut-être les vendre plutôt que de les jeter. Alors ça réveille également un intérêt pour le culte, un hein, Apollon, euh, c'est l'intérêt pour le culte, et on le voit, les gens s'intéressent de plus en plus, euh, euh, reviennent à, à, à tout ce qui est... Euh, en, alors ça peut être occulte, mais ça peut être ancien également. Donc par exemple, quand on voit l'intérêt pour la naturopathie, l'aromathérapie, etc., ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles, ce sont des choses qui sont très anciennes et qui reviennent sur le devant. Euh, mais par exemple, l'astrologie, la numérologie, tout ça, ça, ça reprend encore beaucoup d'importance, et, euh, et je pense que ce n'est pas fini, cette année, ça, va, ça fera la part belle un hein, peu pour ce travail-là. Euh, ça fonctionne également avec Pluton Zeus, ça c'est les tâches et les besoins qui sont imposés euh, bah, à, à la majorité, à la collectivité, hein. donc on va, on va trimer, on va bosser, hein. comme je disais tout à l'heure, il faut reconstruire notre pays, donc on compte sur nous, donc euh, voilà, c'est un peu... Euh, sauf que les enfoirés, euh, dans, <laughs> dans ce cas-là, ne sont pas des chanteurs, c'est bien, bien le gouvernement. Milieu du ciel, Pluton, alors ça c'est typiquement pour nous, hein, pour les Français. C'est devoir s'adapter, c'est devoir s'adapter à cette notion de tâche de besogne, c'est devoir suivre la collectivité et en fait notre évolution ne va dépendre que de la collectivité malheureusement, donc on aura, on aura du mal à faire uniquement ce qui nous chante, ce ne sera, sera pas ce qui nous chante, en fait il faudra faire ce qu'il faudra faire et pas ce qu'on voudra faire. Et euh, milieu du ciel, Mars également, hein, ça c'est se ce donner, c'est le fait de travailler fort, se battre, euh, c'est euh, également les colères. C'est les colères, donc on va se mettre au turbin, il va falloir travailler, il va falloir redresser le pays. Mais il y a beaucoup de colères, il y a beaucoup de combats. Euh, et c'est la notion aussi de désordre de, le fait de donner des ordres. Euh, et alors, j'ai quelque chose qui me plaît un peu moins ce sont les enlèvements. C'est la notion d'enlèvement. Alors, je ne sais pas si on va avoir des enlèvements en France, si on va avoir euh, l'idée de faire disparaître des gens ou pas, mais j'ai quelque chose qui ne me plaît pas trop. D'autant plus qu'on a également Uranus, Hades, ça c'est les assassinats soudains ou les événements qui vont causer des victimes ou des morts ou des disparitions. Et je me demande quand même si on n'aurait pas un petit truc, euh, justement par ces notions de groupuscules qui pourraient apparaître, est-ce que ces gens-là ne travailleraient pas, en, en, on va dire, euh, sous la table, entre guillemets, pour. Euh, euh, soit pour faire disparaître des gens, soit ces gens-là qui sont un petit peu, vous savez, comme des, des, des groupes cachés qui bossent en sous-marin, euh, voilà, est-ce que l'État ne chercherait pas à les faire taire et à les faire disparaître, donc des vagues peut-être d'enlèvement, ce genre de trucs, euh, sur des gens qui essaieraient de faire renverser les choses, et j'en parlais, euh, j'en parlais, euh, là, il y, y a deux, trois jours, et on me disait, oui, mais ça peut être peut-être un peu des gens comme des Anonymous ou ce genre de, de groupe voilà, qui essayent de renverser. Et je pense qu'à mon avis, euh, soit on en entend parler et ça fait fracas, soit on apprend en fait que ces gens-là ont mystérieusement disparu. Donc ça serait pas, ce ne serait pas surprenant. Euh, Mars-Pluton, devoir organiser, prévoir, faire un plan d'action, c'est la supervision du travail, donc on reconstruit et hein, on rebâtit de nouveau, c'est encore très très fort cette notion de devoir reconstruire les choses. On a du Jupiter à admettre, c'est la production de matières premières, mais c'est également la joie qui est très restreinte, c'est les finances qui sont réduites, et c'est le fait de devoir trouver son bonheur en étant confiné. Comme ça tombe bien. Alors, encore une fois, le confinement, ça va pas forcément nous faire notre année, mais en tout cas, euh, on démarre avec, hein, puisque vous vous souvenez, hein, la révolution solaire démarre euh, en décembre. Donc, on n'est pas, pas sur une année euh, civile. On est bien sur une année astrale. Donc, ça démarre en décembre. Donc, bah, oui, je pense qu'à mon avis, on n'a pas fini encore le confinement. Ce n'est pas, pas pour tout de suite. Saturne admet. Saturne admet, c'est la restriction, la privation, euh, les entraves. Et c'est le fait de devoir patienter le temps que les choses décantent. Donc, on est bloqué à nouveau. Et Saturne Chronos ça c'est malheureusement l'appauvrissement des indépendants. Et euh, ça ça va vraiment être terrible parce que les commerces, voilà, on avec, euh, avec du Apollon Hadès, on a quand même pas mal de commerces des indépendants qui risquent de fermer. C'est pas fini je pense. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre un peu là-dedans bah, Déjà ce qu'on voit c'est que l'Ascendant normalement qui est important pour nous en France hein, est isolé, également la Lune, hein, ils ne sont pas concernés par le point vernal. Donc ça on voit que notre, notre peuple et notre ville vont être un peu, enfin no, notre, notre pays risque d'être un peu coupé un peu du reste du monde, un peu en mode bulle. Euh, voilà, comme si on était un peu mis entre parenthèses, on attend oui la France, oui on la connaît, on la retrouvera plus tard. Euh, et puis euh, Ascendant Lune fonctionne également avec, euh, avec Admet et ça, ça c'est la répression du peuple. c'est la répression, euh, c'est la répression de la foule. Et le, mais c'est également le blocus populaire. alors peut-être que la foule peut, peut-être se réveiller pour essayer d'arrêter les choses. mais pff, franchement, je peine à y croire. Euh, c'est enfin la restriction du féminin. alors du féminin ou du féminin, je m'exprime, je m'explique. soit on restreint le féminin encore plus. bon quand même compliqué de faire pire. Mais ça peut être effectivement le féminin qui fait, euh, qui fait blocus, qui fait barrage, qui fait grève. Et je pense que comme on voit le mouvement féministe qui prend beaucoup d'ampleur, euh, je pense qu'on est plus orienté vers ça, c'est-à-dire vraiment... Le, 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 tous les, les acteurs et, et toutes les actrices euh, d'une du, révolution féministe en réalité euh, qui peuvent se souder ensemble et devenir quelque chose de très solide. Il y a juste un énorme risque, c'est que ça prenne euh, un peu une position de... C'est comme ça et c'est pas autrement. De toute façon, on ne changera pas d'avis et il n'y a pas de discussion à avoir. Et en fait, le problème, c'est à l'intérieur même des mouvements féministes, beaucoup de mouvements existent et beaucoup d'acteurs de, 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 et d'actrices se tapent dessus mutuellement alors qu'ils embrassent la même cause. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les termes, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière dont c'est employé. Et là, on est typiquement sur du féminin parce que c'est la lune. Donc, c'est euh, un peu. Ça, ça peut être bon parce que ça peut donner la solidité, mais c'est un mouvement qui peut également s'enfarger et puis du coup avoir du mal à avoir, euh, à avoir de l'élan et à décoller. Parce que euh, c'est trop protocolaire ou parce qu'on est capable de se tirer dans les pattes les uns les autres alors qu'on embrasse la même. Enfin, moi j'ai des copains et des copines qui sont des féministes et des, et des activistes en tout cas dans ce milieu là. Euh, je les vois des fois euh, sans insulter les uns les autres parce qu'à un moment donné il y en a un qui a une réaction qui n'était pas très euh, inclusive et qui était stop en fait. À un moment donné, oh, on peut se détendre, hein, d'accord euh, Si on n'est même pas capable de trouver ses propres alliés, en fait, juste euh, fait le combat, le combat ne peut pas être mené euh, seul donc et ça peut être pas mal de faire preuve d'un petit peu de pédagogie et de reliance plutôt que de simplement se taper dessus gratuitement. Et euh, c'est dommage parce que moi je, je vois autour de moi, j'ai beaucoup de, de mes amis qui sont très engagés là-dedans et qui en fait se retrouvent confrontés à une espèce parfois de, de violence, euh, de, de barrage comme ça, où elles se disent, bon bah, bon bah tant pis, <laughs> je vais faire mon truc de mon côté, ça ne fait rien. Donc c'est un, un petit peu risqué. Ce qu'on voit également, c'est que du coup, on a Jupiter et Saturne qui sont ensemble. Jupiter, c'est l'argent et c'est la joie. Saturne, c'est ce qui est enlevé, ce qui est retiré ou ce qui est diminué. Bon, bah, perte financière, hein. perte foncière également. Je pense que certaines personnes vont être en perte de leur maison. C'est pas improbable. Et puis c'est la, hein, la joie qui diminue. On a Jupiter-Apollon et Saturne-Apollon, mais je vais attaquer par Jupiter-Apollon. Jupiter-Apollon qui fonctionne avec Vulcan et Hadès. Ça c'est l'accroissement financier, c'est drôle parce que je parlais de perte financière. En fait c'est l'accroissement financier uniquement par des moyens obscurs comme par exemple le marché noir ou par des moyens ou de tra du trafic ou par, euh, des, par des moyens pas cool euh, comme par exemple augmentation des taxes, des impôts, etc. Et puis on a Saturne-Apollon. Pareil avec Vulcan et Hadès. Ça, c'est le fait d'être séparé de beaucoup ou beaucoup de monde qui sont séparés euh, et par des moyens obscurs. Et donc, on le voit par exemple quand on nous empêche de faire des manifestations aujourd'hui, on nous empêche de nous retrouver dans des bars ou dans des restaurants, on nous empêche, j'ai halluciné, on nous empêche de faire des réunions de famille à plus de 6 ou 5, je crois. Donc, si vous êtes à 7 ou 8, je suis désolé, va falloir vous séparer du petit dernier. <laughs> enfin, c'est complètement allumé. Euh, et je pense que ça va aller plus loin, je, je pense à peut-être des systèmes de surveillance, et c'est une figure peut-être, euh, là en l'occurrence, qui pourrait parler d'autre chose, euh, Saturne-Apollon avec Vulcain-Hadès, c'est une figure qui peut nous parler de machination, machination pour bloquer les gens, pour les, pour les, pour les empêcher en fait de s'épanouir et de recirculer librement, et je pense que là, ce, ce coronavirus, c'est une aubaine magnifique, euh, voilà, pour, pour restreindre les libertés, c'est très pratique euh, donc voilà, donc je pense que là, toute tentative, en tout cas, pour, pour faire avancer les choses, risque d'être un peu, un peu mal, mal amenée. Et puis, euh, eh ben, évidemment, on a après, nous, notre pays, alors évidemment, tout ce qu'on a vu là, hein, peut, peut, être concerné, enfin, peut concerner la France, mais on a d'autres choses qui vont concerner spécifiquement la France, et là, pour ça, on va aller voir autre chose. Alors, on voit que l'ascendant, on travaille avec l'ascendant, va être en relation avec le point vernal et le lunaire. Ça, c'est le besoin de relier son monde. En France, on va avoir besoin de se relier au monde. On va peut-être être un petit peu mis à l'écart. <laughs> c'est pas improbable, mais on a besoin de se relier au monde. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, euh, de, de, manière, de manière globale, je pense qu'on sera un petit peu quand même mis à distance. Je ne vais pas dire que ça va être un pays non grata, mais Presque. Je pense qu'on ne va pas avoir une réputation très fréquentable. En réalité, on a déjà un petit peu commencé, ne serait-ce qu'avec la population, euh, par exemple, de Turquie ou d'Arabie Saoudite ou voilà les pays qui sont en mode je fais la grève du, de la vache qui rit parce que les caricatures, etc. Bon, bref. Euh... Donc on a point vernal le lunaire qui se met en relation également du coup hein, forcément avec euh, soleil ne lunaire et donc on a besoin de reliance avec le monde mais on a aussi besoin de contact physique. On a besoin de, de toucher les gens vraiment. En, alors ça tombe bien parce qu'on a tellement de figures de sexualité et de reproduction que voilà, on, je, je pense qu'on est quand même pas très loin du <laughs> nouveau baby boom. Euh, lunaire a poséidon. Ça c'est ce du coup c'est se ce relier virtuellement. Euh, on essaye de se retrouver physiquement mais aussi virtuellement. Mais c'est également les liens d'esprit et c'est se ces d'un point de vue idéologique, à nouveau on le retrouve donc ça va toucher notre pays. Ce qu'on a vu avant, on a du Cupidon-Vulcain, mais également du Jupiter-Cupidon et du Saturne-Cupidon. Je mets les trois ensemble parce que ça va nous parler. Cupidon-Vulcain, c'est l'importance de la famille et de la fusion, donc on sent qu'on a besoin de se relier. Et avec Jupiter-Cupidon, on a la joie d'être ensemble et on a la joie d'être en famille. Mais avec Saturne-Cupidon, on est quand même séparé de nos proches, on est séparé de notre famille. Donc on aime se retrouver, mais on ne peut pas être ensemble. Il y a quelque chose qui nous coupe, qui nous empêche, qui nous enlève. Euh, et je pense aussi, c'est peut-être pas improbable que pas mal de gens puissent le confinement une fois fini puissent peut-être quitter la France puissent partir et du coup se retrouvent loin dès l'heure, sont contents du coup de les retrouver hein, c'est pas entièrement impossible mais soient contents effectivement de partir je pense qu'on aura certainement une, une bonne vague de peut-être de départ euh, cette figure cette triple figure hein, de Cupidon Vulcain Jupiter Cupidon Saturne Cupidon peut donner un autre sens Cupidon Vulcain c'est également les lobbies les groupes puissants et donc, ça, c'est la pression, la coercition, le, 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 le poids des lobbies et des groupes. Euh, Jupiter-Cupidon, ça, c'est les groupes justement qui se font de l'argent. Et Saturne-Cupidon, euh, ça, c'est euh, en, en, entre guillemets, comment, comment je peux dire ça euh, En gros, ils gardent, ils gardent leur part du gâteau, quoi. Ils gardent leur part du gâteau à, à eux, ils refusent, euh, ils refusent de faire partie de, de la société, euh, ils, ils, restent, ils restent de leur côté. Et, euh, et en fait, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Et ils, ils ne veulent pas rendre. En fait, ils ne veulent pas rendre à la société. Donc là, en l'occurrence, moi je me dis, pouf, ok, il doit y avoir certainement du GAFA dans l'air qui va se, se frotter les mains. Et j'ai trouvé qu'on avait également en relation Soleil, Apollon. Ça, c'est justement c'est les, les, les groupes. Enfin, en tout cas, pour, pour, pour du mondial, on est vraiment sur les grands groupes qui réussissent bien et qui gagnent bien leur argent. Et Mercure, Apollon, ça, c'est les accords commerciaux. Donc, je pense qu'à mon avis, il y en a pas mal qui vont se frotter les mains et à qui ça va faire plaisir. Euh, donc, évidemment, les GAFA et compagnie. Mais j'ai un peu peur également qu'on nous passe de nouveaux accords. En plus, Biden qui passe euh, et qui va certainement vouloir mettre des, des accords à la CETA ou TAFTA, euh, BIS. Euh, je, je pense qu'à mon avis, on va encore... Encore une fois, comme d'habitude, membre de l'Union Européenne, être le dindon de la farce, et c'est pas terminé. Euh, évidemment, ça touche à la Lune, hein, ça j'en ai parlé, donc on a l'âme sentimentale et le désir de foule, mais avec Admet, on est bloqué, on est confiné. Avec euh, Hades, Hades Zeus, ça c'est la figure du chômage, donc ça travaille pas à des masses, malheureusement, ça bosse pas énormément. Pluton, Hadès, ça c'est le fait d'avoir le moral en berne et d'être, de vivre un, un appauvrissement appauvris de plus en plus important ou d'avoir de plus en plus de malades. Et je pense que la France euh, ne gère certainement pas très bien sa, sa crise sanitaire et que mon avis, euh, ce n'est pas fini. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, on a du Soleil et Neptune, ça c'est l'affaiblissement de la santé et de la, vit la vitalité. Hein, donc euh, à nouveau, on voit le, on, on voit le souci hein, de, de santé. Alors c'est aussi être à fleur de peau, on est un peu nerveux. Je pense qu'on est déjà un petit peu sanguin de, de base, un hein. peuple français, on est un petit peu épidermique. Et Point Vernal Neptune, ça c'est euh, être perdu, être complètement dans le flou, on ne sait pas trop où on va, on, on, on a du mal. Et je pense que certaines choses peuvent se passer qui ne seront pas cool pour notre pays, même si on ne sait pas trop où on va, parce qu'on voit que ça tombe au mi-point de Point Vernal Apollon, ça c'est faire parler de soi, faire la une, euh, on entend parler de nous. Mais pourquoi bah on a quand même du point vernal vulcain. Ça c'est pour les violences ou pour la coercition. Notre pays a déjà été épinglé plusieurs fois pour des violences policières, pour euh, répression, pour euh, euh, manipulation de la presse et compagnie. Donc bon, euh, on n'a pas de quoi quand même être très très fier. Et puis on tombe quand même aussi sur du Marsades. Et ça c'est les meurtres. C'est les meurtres. Euh, c'est les actes. Euh, c'est des actes odieux. C'est aussi des actions vulgaires. Alors c'est des actions vulgaires. On voit que ça tombe également sur le mi-point milieu du ciel Chronos. Hein. Ça c'est moi président. Alors bon normalement moi président ça c'est Hollande mais <laughs> on a son on a son subalterne <laughs> donc euh, voilà son, son ministre est devenu président à la place du président. Et ça ça c'est la figure du président hein. et je pense que comme il a déjà bien attaqué et qu'il aime bien se mêler il aime beaucoup l'ingérence à hein, Macron il aime bien se mêler de ce qui ne le regarde pas. Euh, ben là à mon avis c'est pas fini. Euh, il, il va il va continuer et je pense qu'il va se mettre encore du monde à dos exactement comme il l'a il l'a fait récemment. Mais je dire que quand même ce qu'il a dit à propos des, des, des euh, caricatures euh, il a tenu bon il a pas lâché et c'est l'une des rares fois où en tout cas j'ai été d'accord avec lui euh, ça tombe également sur du soleil vulcain ça c'est avoir affaire à des personnes avec la force physique c'est à dire on est vraiment en confrontation donc je pense encore une fois qu'on va euh, on va légèrement se friter euh, Zeus chronos », ça c'est devoir travailler pour l'État, réparer ses bourdes. Hein. Bon bah, voilà, on n'est on est pas surpris. Hein. Et puis bah évidemment derrière se débarque du euh, du Mercure Neptune, ça c'est être berné. Donc je pense qu'on va encore bien nous bien nous mener le, la carotte au bout du bâton. On a du Vénus Hades, ça c'est nous vendre un amour sale ou trompeur. On nous achète, on nous, on nous raconte des belles choses pour qu'on y aille. Euh, voilà, vous voyez un petit peu le, le, le discours macronesque. Oui, je félicite les systèmes de santé, bravo pour. Non, mais on s'en fout de tes bravo en fait. Elle est où la prime que tu nous as promise Voilà, bon ben, je, je vous le donne en mille. Il n'y en aura pas. <laughs> Il n'y aura pas de prime. Laissez tomber. Euh, ça aussi, c'est la figure des gens qui aiment les bassesses et puis qui aiment le mal. Euh, alors, du coup, moi je me pose une vraie question. Est-ce que cette figure, c'est la figure de notre président de l'État ou des terroristes et je suis pas certain je <laughs> suis pas sûr de savoir précisément on a du Neptune plus, euh, Poséidon ça c'est avoir affaire à des partisans euh, à des partisans d'une foi erronée ou d'une hérésie Bon, bah, le ton est donné, je pense. <laughs> voilà, je pense qu'on n'a pas terminé avec, euh, avec des personnes qui débarquent avec des, des, des idéaux, des politiques, des croyances, des spiritualités, des religions qui sont complètement à côté de leur pompe. Hein. C'est un peu le côté fake news, hein, parce que Poséidon, c'est le savoir, la connaissance, et Neptune, c'est le brouillard, c'est ce qui est trompeur. On a également du vulcain poséidon, et ça c'est justement la puissance religieuse et dogmatique, ou la violence, euh, la violence un peu euh, partisane justement d'une idéologie, donc bon, on voit bien où on va. Et puis on a du Apollon poséidon et ça c'est beaucoup de gens. Euh, vont révéler leur vrai visage. On va se rendre compte de qui sont les gens. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que mais c'est pour ça. On, je, il n'y a pas très longtemps j'avais une discussion avec une amie qui me disait mais tu te rends compte quand même toutes ces horreurs qui circulent sur internet. J'ai dit oui c'est vrai que c'est horrible. Mais l'avantage c'est que du coup les gens aujourd'hui sont complètement décomplexés, ce qui fait qu'on arrive tout de suite à voir qui est qui. On ne se planque plus. Euh, voilà, on voit très facilement la misogynie, euh, la l'homophobie, euh, le racisme. tout Ça ça paraît très très facilement donc d'un coup au moins on sait en qui on a affaire. On perd pas de temps. Toi j'ai pas envie. Toi je tes idées, toi j'aime pas ta gueule, tac, <laughs> ça va plus vite. Donc ce qu'on voit c'est que... On revient quand même, même en France, hein. même en France, on a beaucoup, euh, on a beaucoup euh, ce, ce qu'on avait vu dans le général. Je pense que ça nous touche aussi hein, ces combats idéologiques. Et alors attention, parce que ça vaut pour toutes les pensées, hein, tous les mouvements idéologiques, politiques, religions, féminisme, véganisme, libéralisme, écologie, communisme, société, n'importe quoi. Tout ça, ça va être, euh, ça, ça va prendre cette vision où on va vraiment se battre pour ça. Et du coup, qu'est-ce qui arrive aux Français eux-mêmes Parce que là, on voit le pays, mais on voit pas les Français. Donc allons voir le milieu du ciel quand même. Et là, on tombe sur du Pluton Admet. Ça, c'est être face face à une transformation profonde, un changement dans nos fondements, dans nos fondations vraiment. Euh, alors, on est encore en transition. Hein, ce n'est pas encore cette année qu'on va trouver de manière sûre et certaine ce qu'on est, qui on est, où on va, ce qu'on veut faire, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que votre vie, si elle est à peu près bancale, si elle n'est pas entièrement, entièrement cohérente, s'il y a un truc qui ne va pas, cette année 2021, c'est le moment de changer. Il faut changer sa vie, il faut changer son boulot, changer de voie. De toute façon, cette année, ne pensez qu'à ça. Ne pensez qu'à, que puis-je faire de ma vie professionnellement ça, c'est vraiment le, le, dans le top 10 des questions, c'est vraiment la première, c'est vraiment celle qui est tout en haut. Et ensuite, c'est quels sont mes idéaux, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, quelles sont euh, euh, mes, ma, mon orientation sexuelle, ma religion, ma croyance, euh, mon orientation politique. Donc, vous faites le listing et vous vous demandez quel endroit dans le monde euh, est en accord avec ces valeurs, et je n'attends même pas, je pars. Voilà, ne patientez pas parce que là on est en train de faire vraiment vraiment bouillir la casserole et bientôt ça sera fini, on ne pourra plus sortir de toute façon de ce pays comme on le voudra. Et euh, avant d'être bloqué, voilà, pensez à préparer vos bagages très vite. Donc là, cette année, c'est vraiment l'année réflexion pour partir et pour changer complètement tout. On a du Saturnades. On, on, là, les Français vont se sentir résignés face aux événements, des événements qui sont assez terribles, des événements qui sont durs, qui peuvent être des, de l'ordre de l'attentat ou de la maladie. Et en fait, Saturnades, d'ailleurs, c'est tomber malade et c'est souvent d'ailleurs la maladie euh, un peu chronique. Bon bah j'ai envie de dire, oui pas, pas de surprise. Hein. Euh, mais c'est également, ouais voilà, c'est de la perte en fait. Hein, Saturne c'est vraiment de la perte et c'est la perte par des attaques ou des épidémies. On a également du Jupiter Hadès forcément, puisque comme je l'ai dit, Jupiter et Saturne sont conjointes. Euh, Jupiter Hadès, ça c'est la diminution de la chance et de l'argent. Alors on est affecté par les restrictions, on est affecté par, par la pauvreté et la joie va vraiment vraiment s'en ressentir et on commence à être un peu, un peu plombé. Et du coup on, prend, on commence à prendre de, de la joie et du bonheur. Uniquement euh, dans des choses qui, pour, qui peuvent être basses, viles. Euh, vulgaire, méchante, euh, voilà, toutes les choses qui sont pas euh, très euh, spirituellement vibrantes, éclairées et élevées, euh, voilà, bon, je pense qu'en euh, en fait, on va vraiment se nourrir à ça, c'est le truc qui va nous permettre de, de, bah, de, de pas forcément ouvrir la fenêtre et puis de, de sauter peut-être la première, quoi, surtout que si on vit au rez-de-chaussée, c'est con. Euh, Lune-Cupidon, ça c'est avoir un sentiment de familiarité, c'est se sentir tous ensemble dans la même galère, donc il y a une forme d'union populaire, mais c'est aussi l'union des groupes en réalité, hein, parce que Cupidon c'est la société, Lune c'est la foule et on a vraiment alors c'est aussi les groupes féminins donc euh, on revoit de nouveau hein, le, le, le côté féministe qui revient et qui va avoir une importance vraiment majeure hein, au cours de cette année 2021 euh, mais ce qu'on voit voilà c'est vraiment le besoin de se sentir en famille de se sentir réuni d'être avec des gens avec qui on va partager des bonnes choses euh, ascendant euh, mercure en fait hein. Euh, ça, ascendant, enfin euh, milieu du ciel sur Ascendant Mercure, ça c'est discuter, faire connaissance avec l'entourage, c'est échanger des idées. Euh, donc on va quand même partager. Et comme ça tombe sur Ascendant Cupidon, c'est chercher la fusion du coup avec ces gens-là. On cherche à créer une société dans la société, on cherche à créer une famille, on cherche à créer un groupe dans le groupe et des gens avec qui on aura la même pensée. On a du Mars Admet, ça c'est subir l'oppression et la limitation hein, de, de, des libertés et des mouvements. Euh, J'en avais parlé d'ailleurs d'Admet hein, qui rentrait dans le signe des Gémeaux depuis déjà quelques temps et qui limitait largement nos libertés. Bon bah c'est pas fini puisqu'il est, est que dans les débuts. Et c'est la limitation également de l'emploi, hein. le marché du travail va être un petit peu, un petit peu à l'arrêt. On a euh, l'une Mercure. L'une Mercure, c'est ne plus bouger qu'intérieurement. Euh, c'est être mobile émotionnellement, mais c'est aussi la foule qui discute. Hein. Les Français vont beaucoup se, se consulter, beaucoup euh, discuter entre eux, beaucoup débattre, échanger des idées, des avis, des opinions. Euh, c'est aussi discuter et réfléchir au sujet du féminin. Donc bah oui. Puisqu'on est en cours. Euh, Uranus Cupidon. Uranus Cupidon, ça, on prépare un événement, on prépare un mouvement. Alors normalement, c'est la figure du mariage. Peut-être qu'on a quelqu'un qui va se marier, qui sera important dans notre pays. C'est possible, un, un mariage, un mariage important, marquant. Mais euh, je pense plutôt à l'union de certaines choses, à l'union soit de, de groupes qui peuvent être des opposés ou des compléments, des groupes qui fusionneraient. Mais ça peut être aussi euh, la création d'un groupe, la création d'un groupuscule qui à mon avis euh, ne va pas éclater tout de suite on va peut-être pas forcément en entendre parler tout de suite mais je pense qu'il y a quelque chose qui se trame en arrière-plan quelque chose qui est en train de se préparer pour essayer de faire bouger notre société mais c'est pas tout de suite tout de suite euh, qu'on va, euh, qu va en entendre parler et, euh, et malheureusement, voilà, on n'a on pas une belle figure, hein, puisqu'on a du point vernal ascendant avec ascendant soleil et Hades vulcain. Point vernal ascendant, c'est sur cette terre, en ce lieu, à, cette, à cet instant, puisqu'on est avec le milieu du ciel, à cet instant, quelque chose va bousculer, euh, va, va basculer, et va bouger, va être euh, un peu. Il va se passer quelque chose de majeur, et comme ça touche ascendant soleil, c'est euh, physiquement, hein, c'est pas uniquement psychiquement, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose matériellement, réellement, et comme ça tombe sur du Hades vulcain, ça peut venir suite à un un drame à des morts euh, par rapport à, euh, par rapport peut-être à... alors c'est pas forcément la figure d'un attentat, c'est plutôt euh, pas la maladie ou quelque chose comme ça. Mais en fait c'est une importante tristesse, il y a une grande tristesse où c'est un grand appauvrissement, c'est également la pauvreté et peut-être que c'est, ça peut être ça qui peut faire basculer quelque chose. En tout cas on a, on a le pays quand même qui s'appauvrit au fur et à mesure. C'est pas, ça va pas être relancé tout de suite. Vénus Admet, ça c'est le cœur qui se referme et qui se durcit euh, de manière globale, de manière générale Je pense qu'on va se replier sur nous-mêmes en réalité, c'est pour ça qu'on voit des figures hein, qui, sont un peu, qui sont un peu fermées Et puis enfin on a du Zeus Admet et ça c'est prendre un nouveau départ C'est également le début tragique, hein, le début marquant Alors 2022 ça va être une année clé mais 2021 la prépare Donc c'est pas, pas en 2021 que les choses vont se produire, c'est vraiment l'année préparation On est sur le lancement et après les choses vont, euh, vont décanter mais alors du coup la question se pose, comment on fait pour être heureux, et puis est-ce qu'on va l'être, est-ce que c'est possible Et du coup je suis allé voir le mi-point, milieu du ciel, Jupiter, hein. ça c'est euh, le, les individus qui sont heureux, c'est le fait d'être heureux. Et du coup ça tombe sur quoi Ben malheureusement milieu du ciel-Jupiter, ça tombe au même endroit que milieu du ciel Saturne, puisque Jupiter est conjoint à Saturne, et ça c'est l'argent et le bonheur qui vont être grandement euh, amputés au cours de cette année. Donc ça c'est pas cool parce que ça nous montre que en tout cas notre bonheur ne passera pas. Par, euh, par l'argent. Ça passera par milieu du ciel Saturne, par le sérieux, par la patience, par le fait d'accepter un peu l'austérité et surtout le fait de devoir faire preuve de maturité. C'est fini les enfantillages, c'est fini euh, la fausse timidité, la fausse modestie, les enjeux et les... est-ce que c'est sérieux Non, non, on, vraiment maintenant on se prend, on se prend en main. Ça tombe également sur Apollon, Admet, ça s'est trouvé son bonheur dans la paix, dans la solitude et la tranquillité, dans des petits groupes, le fait d'être peu. Voilà, on s'est réunis avec juste des, des, nos, nos petits proches à nous. Ne lunaire Admet, c'est créer des relations peu nombreuses mais solides. Bah ouais, on retrouve la même chose. Neptune Admet, ça c'est s'attendre à changer de métier, à prendre d'autres voies. Et alors, justement, on a deux figures qui sont intéressantes, qui sont... Uranus Chronos. Uranus Chronos, c'est ne penser qu'en termes d'efficacité. Il faut se prendre en main pour euh, créer soudainement, en réalité, une condition de totale indépendance. C'est le, euh, le moment de, faire des choses pour lesquelles on est doué, de faire des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se battre pour y arriver. Il faut que ça soit efficace. Ça veut dire aussi que malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on aime parce qu'on peut aimer quelque chose mais ne pas être bon dedans et être doué pour quelque chose mais ne pas être bon, mais ne pas aimer ça. Et là, il va vraiment falloir. Et la deuxième figure, c'est du Lune Chronos. Euh, Lune Chronos, ça, c'est bonus particulier pour la fonction publique. Hein. Ça, c'est pour ceux qui veulent rentrer dans la fonction publique, c'est parfait. Mais c'est aussi euh, essayer de faire preuve de grandeur d'âme et de savoir-faire, hein, de pouvoir mettre en avant son savoir-faire. Donc là, on, là, clairement, avec ces figures, on n'a plus de temps à perdre avec les loisirs, avec les excuses. Euh, on arrête de se trouver des, des raisons de reculer. On arrête l'oisiveté, la procrastination, c'est terminé. Il faut maintenant faire ce pourquoi on est doué, même si c'est pas forcément plaisant, même si c'est pas forcément ce qu'on avait envie de faire, même si c'est pas ce qu'on a fait pendant 30 ans ou 40 ans et que là il faut changer, et eh ben on change, c'est tout. Donc il faut trouver ce pourquoi on est fait. Alors tout de suite j'entends les oui mais pourquoi est-ce que je suis fait Si vous ne savez pas, vous évidemment consulter un astrologue iranien qui saura vous le dire. Ça tombe également sur Cupidon. Ça c'est l'importance à nouveau de la famille, des groupes et de la fusion, on le voit. On a également Ascendant Chronos, ça c'est chercher à être employé. Euh, on cherche à être employé, alors ça c'est sale temps pour les indépendants malheureusement. Et parce qu'on a du Ascendant Hades, ça c'est le malheur des autres, sera euh, en réalité une triste motivation. C'est-à-dire que s'il faut changer de vie et qu'il faut se lancer vraiment dans quelque chose euh, dans lequel on est vraiment bon et qu'on est sûr qu'on gardera notre poste, etc., en fait le fait de voir les autres malheureux c'est vraiment quelque chose qui va nous motiver, il va nous permettre de vraiment vraiment tenir. Et enfin. Euh, milieu du ciel euh, vulcain euh, ça c'est vraiment l'idée de mettre en avant toute notre puissance tout notre pouvoir donc là c'est en mode bulldozer en fait il faut vraiment foncer il faut y aller à fond à fond à fond ne pas attendre ne pas douter c'est vraiment une année euh, charnière, très importante de transformation de ce que nous sommes, de ce que nous voulons, de, de nos valeurs, de ce que nous faisons, de l'endroit où nous vivons. Euh, on a besoin là, c'est vraiment nécessaire de bouger et de partir s'il le faut, de, de changer vraiment de culture pour aller quelque part où c'est en accord avec nous. C'est impératif, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, je le redis à nouveau puisque là c'est vraiment, enfin euh, c'est capital, hein, la figure dont j'avais parlé tout à l'heure, le, le Pluton Admet. Euh, on ne peut pas y couper. On peut pas y couper, on n'a pas le choix. Et donc là, pour être heureux, il faut impérativement se donner à fond, changer complètement notre, notre voie, trouver quelque chose dans lequel, pour lequel on est doué, même si on n'aime pas ça, il faut le faire. Et donc petit bonus pour la fonction publique où euh, là les gens sauront euh, a priori s'en sortir euh, plutôt honorablement. Voilà, c'était mon long, long horoscope pour 2021. J'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas, euh, si vous avez vu... Euh, Peut-être des informations similaires ailleurs, à mettre un petit mot hein, dans les commentaires, à dire euh, voilà, ce que vous en avez pensé. Et puis euh, pour, euh, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir leurs prédictions, leurs prévisions plus détaillées pour eux, hein, pour, euh, pour leur cas précisément, n'hésitez pas à me contacter via mon site www.astrologieuranienne.com. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente année 2021. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut